Et bonjour, bonsoir, chers amis voyageurs. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon samedi. Bonsoir, Abso Neutrino. Je vais bien, Abso. Merci beaucoup. Bonsoir, Okunda. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, un bon samedi. Me revoilà sur Planète Zoo pour essayer de finaliser ce soir la zone aquatique, puisque la semaine prochaine, je serai sur End Zone. Donc, alors, je vais vous faire faire un petit tour du là où on en est. Hein, vous montrer, parce que la semaine dernière on a galéré sur les voiles et je vais vous expliquer comment j'ai résolu mon problème, tout ça. Alors je vous fais rentrer dans la zone. Et salut Dorian. Alors, attendez, je tousse. Et j'arrive. Alors, je vous fais rentrer dans la zone. Donc mes voiles sont bien toujours là. J'ai pu installer un certain nombre de mâts en face que je trouve plutôt cool. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, donc la première chose que j'ai eu à faire pour que les voiles s'accrochent correctement, vous allez voir après d'en haut. Là, les voiles, ça rend plutôt bien. Bon, il y a des petits défauts, mais c'est pas parfait, mais ça passe. Et qui donc sont raccrochés à ces mâts. Hop, bonsoir. Kalim, Stéphane, j'ai hâte de voir. Yes. Voilà, qui sont raccrochés à des mâts de façon tout à fait conventionnelle. Y a-t-il des loutres dans ton zoo? Oui, tout à fait, absolument. De manière tout à fait conventionnelle, alors il me manque de faire une base ici en béton ou un truc ici pour que ça fonctionne. Juste, alors je vous montre d'en haut ce que ça donne. C'est-à-dire que les voiles d'en haut, ça donne ça. On a les 2x3 pour les bancs. Et ensuite, on a la zone couverte un peu anarchique au niveau des voiles. Ah, tiens, j'ai laissé ça, c'est un essai. En fait, en double voile. En fait, comment j'ai fait pour régler mon problème qu'on avait la semaine dernière, c'est que j'ai été obligé d'aplatir mes voiles. J'ai été obligé de les courber moins qu'elles ne l'étaient au départ. Tout simplement parce que quand je m'accrochais ici, de ce côté-là, la courbure était telle, hop, que ça partait hyper haut. Alors là, ça c'est le plus haut que ça puisse aller. Mais en fait, ça dépendait de la courbure de la voile, puisque c'est dans l'axe de la pointe de la voile. Je voulais vraiment que ce soit propre à ce niveau-là. Donc il a fallu que j'aplatisse la voile. Vous voyez là, le câble part vraiment dans l'axe de la voile. Ce qui est normalement comme ça qu'il devrait partir. Si la voile est pendante comme ça veut dire que le câble part ici. Il ne pourrait pas partir là, ça ne marcherait pas. Donc voilà, donc j'ai dû aplatir mes voiles. Pour arriver à faire ce que je voulais. Je vous montre un petit peu. Donc du coup, ce que vous n'avez pas vu la semaine dernière, c'est le petit bassin à droite que j'ai travaillé. Bonsoir l'inéluctabilité que nous sommes. Le petit bassin à droite qui est pensé comme une marina, en fait. Salut Jérém. Qui est pensé comme une marina. Donc là, il y a les petits jets d'agrément, mais on va faire ce soir quelques pontons qui descendent vers le bord de l'eau, comme si c'était. Oh les jets d'eau. Comme si c'était une petite marina, machin. Ce serait potentiellement une suite. Enfin. Ce serait une potentielle suite pour quelque chose qui se passerait ici s'il devait se passer quelque chose. Là, en l'occurrence, ce sera végétalisé du long. Mais voilà, l'idée, c'était de le penser comme une marina. Juste dans le détail, vous avez un jet d'eau qui projette l'eau. Alors, j'ai réfléchi à faire une déco au niveau du jet. Puis pour l'instant, je me dis que je le laisse comme ça. On verra si à un moment donné, je change d'avis. Pour l'instant, je laisse le jet en mode discret. Et vous avez un deuxième effet, hop, ici, qui est le remous de l'eau. Parce que si vous avez que le jet, contre, ça fait ça. Hop, enlever, mettre là-haut. Ça fait ça à la base. Il n'y a pas d'interférence entre le jet et la surface de l'eau. Donc j'ai rajouté les petits remous. Alors on voit pas, ça va, on voit pas l'objet à la fin. Quand c'est pas sélectionné, en fait, on le voit pas. Voilà, là on le voit pas. Mais voilà, j'étais obligé de rajouter les remous, sinon ça ne fonctionnait pas bien. Bref, pour le G, je refuse qu'il y ait vraiment la tête de lion. Ouais, non, mais je pensais mettre un truc un peu plus gros. Si l'eau est à 38, j'arrive de suite. Non, l'eau n'est pas à 38, je crois pas. Voilà, donc du coup, on en est là. Alors, je vais vous épargner les dernières accroches. Il m'en manque une ou deux. Vous voyez que j'en ai fait quelques-unes quand même. Quelques accroches sur les câbles. Il m'en reste une ou deux à faire, mais. Je vais vous épargner ça ce soir, encore que je pourrais aller vite et vous pourriez voir comment je fais. Donc, faire celle-là, parce qu'elle est pas loin. Comment allez-vous en ce samedi soir? Est-ce que vous êtes de bonne humeur? Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Elle va se caler en dessus, elle. En dessous, pardon. Est-ce que vous avez passé une bonne journée, un bon samedi?
mon samedi était excessivement chargé, un truc de malade. Alors, hop, on ramène ça vers l'arrière. Voilà. Ensuite, alors du coup, je me suis fait toute une série de favoris pour accéder facilement à tout le matos, parce que sinon, on ne s'en sort pas. Je le dis. Tac. Peut-être enlever la pause un peu. Enfin, je vais peut-être mettre en pause. La pause. Un peu de farm Battlefront. Ouais, pareil. Pareil. Je suis enfin 35 avec mon sniper, je suis content. Trop de fatigue accumulée dans la semaine, donc repos pour être en forme demain. Yes. Moi, j'ai honnêtement, hein, j'ai essayé de décrocher vraiment aujourd'hui, parce que la semaine, le week-end dernier, c'était pas bien passé. Et du coup là j'ai vraiment essayé de décrocher et de la jouer le plus raisonnablement possible et je pense que j'ai réussi parce que je suis d'assez ça va là ça le fait. Bon alors là celui-là il est vraiment à l'angle, il serait probablement pas comme ça dans la vraie vie mais c'est pas très grave. Là c'est vraiment pour le principe. C'est vraiment visuel hein, c'est probablement que dans la vraie vie, ce serait pas tout à fait comme ça, parce que c'est trop incliné par rapport à, au mur, mais pas par rapport à l'accroche de la voile, mais là, ça fonctionne tout à fait. Hop. Quelle idée de se fatiguer au travail, ouais. On a, voilà. Ah merde. Pardon, j'ai raté un bout. On a des boulots, certains. Enfin, les boulots sont fatigants en vrai, mais enfin, probablement des certaines éreintants, disons ça comme ça. Je lis un peu, ça va pas trop mal fatigué ce soir, mais bonne journée. Ouais, j'ai vu la neige et tout, j'ai conçu des voiles, et en général, c'est des au coin des voiles. Oui, tout à fait. Sauf que là, c'est pas une voile en tissu. Qui a dit ça? Coin des voiles. C'est Stéphane. C'est pas des voiles en tissu. C'est une structure, ce genre, c'est de la fibre de carbone ou on sait pas quoi, tu vois. C'est pas de la, elles sont beaucoup plus épaisses que des toiles, des voiles en tissu, tu vois. D'où le principe que c'est pas du, ce ne sont point des œillets, mais c'est de la grosse accroche. En même temps, sur des portances pareilles, il vaut mieux, à mon avis, des accroches qui soient costauds. Est-ce que je m'occupe des pontons? Ah oui, non. Alors, je vous montre vite fait. Je suis pas convaincu parce qu'il y a un truc. Merci, 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 Abso. Je vous montre. Il y a un truc qui me perturbe, mais j'ai pas trop le choix techniquement, en fait. C'est le dessous de mon pont. J'ai fait les donc le petit coffrage là en béton de chaque côté qui est convenable, qui me convient dans l'idée, mais je me retrouve à avoir ma clôture qui est à l'extérieur. J'ai pas trop le choix, à vrai dire. J'ai pas trop le choix parce que je veux pas tout fermer absolument, donc c'est un moindre mal. J'ai cette clôture en métal, voilà, qui fait le tour du béton. Ça devrait pas être comme ça, mais j'ai pas vraiment d'autres options. Ouais, bonne soirée, Jérém. Récupérer toutes les planches de surf d'Australie. Ah bah, minimum. Merci pour les pouces bleus. Yes, yes, yes. Et là, tiens, pendant que j'y suis, je vous montre, là, il y aura un arbre, en fait, qui sera visible depuis l'autre côté. Pas encore choisi l'arbre. Mais en fait, il y aura un arbre qui dépassera ici, dans mon idée. Je sais pas ce que ce serait comme arbre, mais il va me falloir un grand arbre. Mais je sais pas trop encore comment je veux le faire mon truc, donc je l'ai. Je me suis dit, ah, ce serait cool si je pouvais mettre un arbre planté là, mais alors un sapin ça n'a pas de sens. Si je prends dans la zone tropicale, il y a les très grands arbres. Si je prends le biome tropical, pardon. Vire-toi l'alerte là, tu m'énerves. Ils sont où les arbres tropicaux gigantesques? Dans les arbres. Il y a un truc qui est super grand. Alors le baobab, c'est pas une bonne idée. Ce serait rigolo, mais ça n'est pas une bonne idée. Ah, quoique. Quoique. Est-ce qu'un baobab, ça ferait le tas, vous croyez? Attendez. Attendez. Petit moment de réflexion personnelle et intense. Mon idée, c'était d'avoir un arbre qui dépasse. Alors, attends, on va le mettre isolé pour le manipuler comme on veut. Là. Et c'était ça. De centrer un arbre. Pas de mettre un arbre dans l'anneau, là. Sauf que, est-ce que le baobab ça ferait le taf ou pas? C'est une très bonne question. C'est rigolo. Bah oui, c'est rigolo.
truc, mais je pense que c'est pas le baobab que j'ai en tête. Tu vois, il y avait une idée, comme on a la végétalisation sur la gauche, sur le toit. Et salut Naraline, je voulais mettre un arbre là, mais du coup, je suis pas sûr que ce soit celui que j'ai envie d'avoir. Il y avait l'autre aussi là. Non, attendez. Il est où? Les baobabs, c'est rigolo, mais voilà quoi. Je suis même pas sûr que ce soit raccord. Il est où le banc? Il y a beaucoup trop d'assets dans le jeu. Ça c'est, pardon, ça c'est les petits, ça c'est beaucoup trop petit. Non, moi je veux le celui d'Amérique du Sud là, le grand, celui-là. On m'aurait menti? M'aurait-on menti? Ah. Non, ça c'est du pain. Je vais aller le chercher de l'autre côté, hein. Tant pis, je sais même pas comment il s'appelle. C'est celui-là. Il est où, Amérique du Sud, Amérique du Sud? C'est celui-là. Salut, Chexy112. Il allait pas mal. Bah, on va tester, hein. Peut-être qu'il va mieux. Peut-être que le baobab va mieux que celui-là. Hein. Je sais pas. Un truc assez grand, en fait. Est-ce que, ah, quoique la couleur, elle est raccord avec une idée que j'ai de l'autre côté. La couleur du baobab serait peut-être mieux en fait au niveau du tronc. Ouais, celui-là il est trop noir. Non, bah ça va être baobab du coup. Oui, un noyer pour un centre aquatique, c'est parfait. Ou pas. C'est lequel celui-là? Il s'appelle lui. Ouais, c'est un noyer. Non, non, bah du coup ça va être le baobab parce que regardez en fait de ce côté-là. Le baobab est validé, mais carrément. Parce qu'en fait, là, j'ai commencé à mettre donc ce bois rouge là, en me disant, tiens, on va faire un petit rappel d'une de la barrière et de deux de un esprit un peu marin. Les mâts, machin, tout ça, vu le titre de la vidéo, est-ce que la semaine prochaine sera début d'une nouvelle zone dans le zoo? Non, Naraline, ce sera un nouveau jeu la semaine prochaine. Ce sera un nouveau jeu, on fera une pause sur Planet Zoo. Je viendrai sur Planet Zoo plus tard. Bon là, il va falloir qu'on travaille. Retravaille cette zone-là, mais c'est pas un souci. Est-ce qu'ils, je pense que en vrai, ils apprécient ou ils apprécient pas le baobab. Je vais vous dire que peu importe. Voilà, il aime pas le baobab, mais là en l'occurrence, tant pis. Passion, il y en a trop. Ah, il y a trop de végétation maintenant. À cause d'un arbre. Vraiment à cause d'un arbre. J'ai mis de la végétation au fond de l'eau ou pas? On va peut-être enlever un nénuphar. Faut quoi? À 83%, il y en a. Lève le. On va faire un peu. On va nettoyer. Là, peut-être j'en enlève un. Hein. Est-ce que ça suffit? Non, non, la semaine prochaine, on sera sur Endzone, qui est un jeu de gestion post-apo sympa. 75, il m'en faut encore un peu. Alors attends, quel est ton niveau de satisfaction générale, camarade, camarade Caïman? Parce que si t'es à 91%, ça me suffit en fait. Pas besoin de plus. Lui, il a envie de se barrer par contre. Non, là. Hein, t'as envie de te barrer? On te voit. On te voit. Ah là là. Sacrés animaux. Donc je disais. Donc là on était sur le baobab, on est bon, il va falloir que je retravaille la zone. Si, mais ça c'est pas très grave. M'a dit potentiellement mortel, comment ça? Un truc sur. Sur quel animal? Ça c'est mon kangourou, mais c'est pas un kangourou malade. Ça d'accord. Ah mais c'était ah qui se passe. C'est quoi le problème? L'animal est malade. Oui, mais quelle maladie? Fernando, il est happy. Fernando is happy. Tout à fait. Celle-là. C'est des recherches là. Premier.
Non, elles sont finies. Les recherches. Je peux rien faire de plus. Alors j'ai mis 3 vétérinaires sur les manchots parce qu'ils étaient nombreux, mais ça ne suffit a priori pas. Ah si, ça y est, ils le font un par un en fait. Est-ce que tu vas au bon endroit? Sur moi. C'est cool. Bon, ça va le faire. Ça va le faire. Il gère. Il a l'air cool le jeu de gestion post-apo. J'essaierai de pas rater le live de samedi prochain. Ouais, non, il est carrément cool. Bon, bref, du coup, dans l'ordre, là, on va finaliser l'histoire du baobab et après, on s'occupe des pontons. Sachant que du coup, alors je vais mettre pause un peu. Ça veut dire qu'il y a ça qui saute. Voilà, ici. Falloir qu'on fasse ça proprement. Toi, peut-être de trop. Faut que je mette des petits. L'arrondi, est-ce que l'arrondi ferait le boulot ou pas? Est-ce que l'arrondi, celui-là? Instant. Oh, carrément. Carrément. Un truc comme ça, au départ. Là, il me remet l'alerte, quoi. Ici. Ça le fait. Discret de toute façon. Ça. Juste pas que je dépasse en fait. Ça c'est bon. Il y en a un qui va falloir que je supprime. Là. Supprimer celui-là. Hop, ça c'est bon. Je pourrais pas en mettre un deuxième par contre. J'ai des problèmes de hauteur là. C'est le bordel. Je cœur, c'est le bordel, ça va pas. 3 niveaux, 4 niveaux. Ça fait là. Ok. Ça, et là il me faut un petit. Yes, ça va le faire. Ça. Alors, j'ai pensé cet après-midi. Pas le boulot, c'est un baobab. Premier passage à la cave. j'ai pensé cet après-midi. Il y a un truc qui est. Il y a un piège en fait avec ces items-là, là, les items de structure qui sont. Enfin, d'infrastructure, je sais pas comment on les appellerait. Qui sont vraiment malléables parce que tu fais ce que tu veux avec et il y a très peu de reflets, très peu de machins, très peu de trucs. Donc, tu peux les mixer à l'infini. L'énorme. Coucou Space! L'énorme. Risque que tu as avec ça, c'est que tu finis par faire beaucoup de choses avec et que le truc peut vite être uniforme, on va dire ça comme ça. Et alors sur certaines zones ça ne me dérange pas, mais sur la zone des caïmans ça me dérange. C'est pour ça, alors je vais virer celui-là. Voilà. Sur la zone des caïmans ça me dérange et c'est pour ça que sur les caïmans je vais. Ok, comme ça. Je vais rajouter du bois, le fameux bois rouge que je vous ai montré. Tac, ça c'est bon. Ici, ici, est-ce que ce serait arrondi? Pas forcément. Pas forcément. Ah, attends, hésite. Regardez ce que ça donne si je le. Là. Ouais, ça va être beaucoup. Quel bonjour à Mickaël de la part d'Asgard. Ça marche. Eh ben, c'est bien gentil de la part d'Asgard. Bonjour à toi, Asgard. Alors qu'on s'envoie. Alors qu'on se parle. Mais. Je suis débordé, moi. Ça paraît pas comme ça, mais. Ouais, non, alors du coup, je l'ai fait comme un sauvage. Alors, pourquoi tu veux pas. De caler, voilà. Où est-ce qu'il veut se caler à un moment donné? Allez, il y arrivait. Regarde ce que ça donne comme ça, si on y arrive.
Ça, ce serait le pendant de celui qui a du dessus. Donc ça, c'est assez rigolo. Ça met vraiment en valeur en plus le baobab, du coup. Est-ce que ce serait jouable ici? Est-ce que ça a du sens ici? Oui, faut que je baisse le plafond. Ouais, le problème, c'est que c'est pas raccord avec cette courbe-là, ça. Ou alors, il faudrait que je bouge le tout. C'est compliqué quand il y a un toit. J'arrive à me remettre au bord là pour rattraper la courbe, au moins à minima rattraper la courbe de dessus. Ça ferait ça. Ouais, c'est légèrement excentré. Est-ce que ça me gêne? Ouais, un peu, hein. Ouais, c'est mieux comme ça. Oh, un arbre. Eh oui! Tac. Donc du coup, il faut que je mette le quatrième. Je sais pas où est-ce qu'on arrive à le mettre. C'est bizarre là. C'est là? Priori, c'est là. Hop. Celui-là. Calé. Disparaisse. Bon, ça c'est pas mal. Ça c'est amusant. On va peut-être. J'ai même une idée, tiens. Est-ce que je peux décaler ça? Non, pas comme ça. J'ai même une idée qui peut être sympa. Cela. Crois que je peux pas tout prendre en une fois parce que ça me fait un axe. Non, c'est bon. Voilà. Là, ça va jusque-là, dans l'idée. Ça, c'est pas mal. Yes, c'est pas mal. Et donc du coup, mon idée, Space vaut mieux pas se le prendre en vaisseau celui-là. L'arbre, ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Mon idée, ce serait de réutiliser mon histoire de poteau là, mes poteaux en bois, donc que j'ai rajouté en pour avoir un truc un peu un motif un peu sympa à un moment donné. C'est ici, ici. Quelque part par là, est-ce que c'est lui? Ça a bien l'air d'être lui. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas dans l'axe. Il faut que je me mette dans l'axe. Ah! Ah! Parce que l'idée, ce serait d'avoir une série de poteaux là. Un truc un peu sympa. On va voir si ça passe déjà. Par contre, se dire qu'il faut que je fasse ça. Visualise la scène où un vaisseau de No Man's Sky arrive, percute l'arbre, le casse, les repas. Là, hein? Là, tu te dis, ah, ouais, attends, ça voudrait dire qu'il faut que j'aille jusque là. Grosso modo, il faudrait que je me fasse un autre repère. A priori, c'est jusque là. Ça veut dire que ça prend vraiment le pas ici. Et ça me plaît pas forcément. Ou alors on fait la même technique qu'au-dessus. Je vais le poser comme ça. Je vais le poser comme ça, on va voir. J'ai éventuellement une idée pour compenser tout ça. Par contre, je l'aurais bien remonté. Alors attends. On va l'isoler. Pose juste sur ce truc-là. Ce qu'il faut que je fasse pour aller plus vite. Ça. Attends. Favori. Est-ce que j'en ai mis un ou pas? Moi ouais, j'ai mis ça. Ça ira très bien. Je travaille en haut. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. On va le faire à l'œil. Ouais, on va le faire à l'œil. Faisons ça à l'œil, les amis. Vous sentez que je suis chaud là? Vous le sentez ou pas? Vous sentez que j'ai des trucs dans la tête et que ça se passe? Oh, il est pas dans l'axe, c'est nul. Alors, faut estimer le diamètre. Très sage, hein. Coucou Charivari.
On va vérifier le diamètre, mais ça doit être pas mal. Je suis un peu... comment je fais ça? Ashker, t'es pas concentré? Il faut que j'isole le tout. Vous savez quoi? On va faire ça. On va faire ça, ça. Voilà, on va aller travailler là-haut. Ça va être vachement plus simple. Donc, va être vachement plus simple pour se centrer en fait. Chari, 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 vari, c'est trop, hein, j'ai pas compris. Pas compris le c'est trop. Hop, hop. Ça vite fait. Voilà. J'en ai bon. Tu fais des scoops volants. C'est exactement ça. T'as tout compris, Charivari. Il est chaud, Charivari. Il comprend tout de suite, quoi. Ah, là, du coup, on est bon. Ok. Centré, c'est à peu près ça. Après. Ça a l'air d'être pas mal. Vérifie si en diamètre c'est suffisant ou pas, mais au moins c'est centré déjà. Hop, si tu redescends. C'est là qu'on voit qu'on n'est plus du tout dans l'axe. Ok. Alors, en position c'est bien. Il faudra qu'on le centre sur le cercle, mais en position c'est bien. Donc, je remonte. Je remonte, on a dit. Dans un zoo, quelle idée. Ah, tu sais, j'ai des idées bizarres des fois. J'ai des idées bizarres. Et ça va être bien à la fin. Casse pas ta maison, t'inquiète. T'inquiète. Tac. Voilà, donc là on est bon. Il y a une partie qui va pas nous servir, mais on est bon. Je vais peut-être même rassembler les deux. Voilà. Le centrage a l'air carrément bon. Donc là, on peut le redescendre. Et on va le centrer sur l'autre cercle. Oups. Petit raccourci involontaire. Compte du troisième animal. C'est ça. Alors, en position. J'arrive à le centrer, sachant qu'il y en a un qui est en biais, donc c'est légèrement bah, biaisé du coup. Là, ça a l'air pas mal ici. Ouais, ça a l'air plus qu'acceptable là. Hop, ce qui me permet d'arriver ici, de me recaler au bon endroit. Et bonsoir Full Metaling, salut Torismon! À tous, juste un petit passage éclair pour vous souhaiter une bonne soirée et un pouce bleu. Merci beaucoup Flumetings, très bonne soirée à toi. Merci d'être passé faire un coucou. Nous apprécions. Alors, ici, ça fait là. Ici. Ça c'est pas mal. Là on va trouver un subterfuge comme en haut, je pense, comme ici. Là on est bon. Sachant que donc mes poteaux, on va garder que ceux qui sont là. Alors attends, il faut que j'enlève les autres. Fais les enlever. J'en ai enlevé un de trop. Non, c'est bon.
Tac, là on est bon. Je récupère mes poteaux. J'arrive là-haut. Il y en a peut-être un ou deux qui vont redescendre, hein, mais pour l'instant ils sont tous là-haut. Ils dépassent ici. Ah, j'ai été couillon, j'aurais pas dû. J'aurais dû les garder pour devant. Non, ça aurait pas été joli. Ils dépassent trop là. Clairement, ils dépassent trop. Alors qu'on trouve un entre-deux, je pense. Sachant qu'il y en a une partie. Alors attends. Je regarde ce que ça donne. Parce que c'est l'idée fait peut-être trop cage du coup. Cage. Trop cage. Il aurait fallu qu'on ait quand même. Ah, attendez. On va faire ça comme ça. On va pas aller trop vite à la suppression. Parce que ça vaut peut-être le coup d'avoir tour. D'avoir le tour en haut. Au moins en haut. Champ arbre, hop en tôle. Voilà. Ça c'est intéressant. Formellement. Retrouver l'horizon comme ça, c'est intéressant. Ça fait ça. Il va falloir que je remplace une série de. Quand je fais ça, je remplace tous les poteaux et je redescends ceux qui sont en dessous. Ça. Un truc comme ça. Construction. Je sais pas si j'ai la version. Celui-là, c'est poutre ronde 8 mètres. Je sais pas si j'ai la petite en favori. Poutre ronde. Peinte, c'est pas ça. 4 mètres, c'est trop grand. Donc c'est la 2 mètres qu'on cherche. Voilà. J'aurais su avant. Je l'eus fait. Voilà. Hop et hop. Là, je peux redescendre. Parce que là, on est bien. Moi, je pense que ça a un intérêt quand même graphiquement. Salut Foxy. Salutations. Alors pas sur l'extérieur, clairement, mais voilà. Oh, flûte. On va faire ça. Après, je vais remonter le tout au moment où il va falloir que ça ne dépasse pas. Allez, pousse-toi, toi. Pousse-toi, s'il te plaît. Hein? Je crois qu'ils sont là. C'est juste pour faire des économies de 3D. Techniquement, ça gêne pas, mais c'est juste pour faire des économies de 3D, en fait. Donc ça, c'est pas mal. Pense aux bottes. Aux bottes, pourquoi? Donc là... On est ici. On va mettre que les premiers dépassent à peine, donc c'est là. Non, si je me cale, c'est là. C'est par là. Voilà, et là je peux descendre. Celui-là, normalement, on le voit pas. Logiquement, on les voit pas là. On les
vois pas à l'intérieur non plus, je pense. Ah non, c'est bon. Ça comme ça pour aller plus vite. Hop, ça arrive ici. Là. Bon, on est pas mal. Tout ça, on le voit pas. Si on le voit un tout petit peu, ouais, oh. Tant pis. Là, comme ça, tant pis. Cela, je peux les descendre. Et là, je vais en faire sauter un ou deux, donc ici. À partir de là, j'ai qu'un seul bout de bois. Pas évident. Hein. Deux. Ces deux-là. Yes, c'est ça. Parce que ceux-là, ils sont censés remonter. Voilà. Est-ce que ça le fait ou faut que je prenne du 4 mètres? Non, faut que je prenne du 4 mètres. Là, c'est les 8 mètres. Les 8 mètres sont vraiment très très grandes pour le coup. Et vu qu'elles sont pas censées dépasser en dessous, ça fait trop grand. Voilà. 4 mètres. Non, vers le bas. S'il te plaît. Ça a l'air d'être ça. J'aime bien l'idée des poteaux dits d'Orient. Cool. Cool. C'est histoire d'avoir un truc qui ressemble aussi un peu à une structure, tu vois. Là, ça me paraît pas mal. Il faut que je descende ça, qui est pas beau du tout, par contre. Toi, tu vas descendre. Allez. Voilà. Ça, c'est discret. Cette partie-là, donc quand ils arrivent, il faut que je modifie un peu l'habitat. Ça, du coup, ils dorment pas là-dessus, si? Ils dorment? Ils dorment quand même là-dessus. Du coup, mon habit, le baobab va être entièrement dans l'habitat, je pense. Je vais reprendre celui-là. Ouais, c'est ça. Hop. Hop. Je peux en mettre un. Ouais. Et où? Va avoir une courbe qui va être à peu près par là. Faut un autre. S'il te plaît. Scandale. Ok, on y arrive, on y arrive, on y arrive. Donc on est comme ça. A priori, on peut pas faire mieux que ça. Oui, là, il est bien dans l'habitat. Oui, il est bien dans l'habitat, je confirme. Mais bien sûr que si, t'arrives en mettant là. C'est quoi ce scandale? Tu y arrives? Voilà. Le jeu, il fait pas ce qu'on veut des fois, c'est perturbant. Hein, enfin, au début, parce qu'après, tu dis non, mais en fait, c'est qui décide? C'est moi-même. Là, du coup, on avait dit que c'était trop, puisque c'est la partie. Ils ont besoin, les caïmans, c'est combien déjà? Quelqu'un se souvient? Hauteur de clôture. Est-ce que je l'ai là? Non, oui, ici. Supérieur 2. Niveau 2, supérieur à 1,50 m. Donc là, on doit être à 2 mètres. Ça. Je crois que là, je pouvais pas descendre à cause de l'eau.
Si, ça passe. 1m25, 1m4, 53. Eh ben, ce sera 53. Voilà qui est dit. 53, c'est pile la vitre dans le nez des gens. Non, ça va. Ah. À partir de là. Je vous le dis, hein, le jeu, il... Vous voyez, le jeu ne fait pas ce qu'on veut. C'est comme... En plus, la hauteur est pas droite. Alors attends, on va se caler sur celle-là. Alors que je supprime ces morceaux-là. Ah, puis alors là, celui-là, on va pas pouvoir le mettre. Ah si, c'est bon. Ah, j'ai eu peur. Troisième sous-sol de cave pour toi. Qu'est-ce qui s'est passé? L'habitat d'Udule? Hein? Ah, c'est drôle. Ah ah! Ah ah! Excusez-moi, je ris. C'est rigolo. Voilà, là, on est bon. Hop, là toute la hauteur est bonne. Ça, on va peut-être en tirer parti dans la structure. On va, de toute façon, il va y avoir le même système que ça. D'ailleurs, il y a un défaut là. Il y a un défaut ici. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Pourquoi t'es là? Ah, parce que j'ai caché une poubelle. Et je suis un sauvage un peu. Je fais ça comme un sauvage. Parce qu'en fait. À la base. Ouais, c'est ça. À la base, c'était très bien. Donc on va pas cacher la poubelle. Hop, tu es là, la poubelle. Ça y est, H, banni à vide YouTube. Ah, c'est malin. C'est malin. Si on virait cette herbe-là. Excusez-moi, je vois plein de trucs, et vu qu'on a dit qu'on finalisait ce soir, je fais le ménage partout au fur et à mesure que je vois des bêtises. Donc, là, on se dit, il y a la même structure que ça au sol. Dans l'arrondi, jusque ça de toute façon, alors là je me l'étais dit il y a déjà 3 semaines. Je m'étais dit que ça. Hop, si je fais ça. Il m'en manque un bout. Là j'en ai trop. Ok. Peut-être la refaire directement, ça va peut-être être vachement plus simple. Parce qu'on s'était dit que ça absorbait la clôture. Ouais, ça va être plus simple de le refaire. Ça va être plus simple de refaire ce morceau-là. Il y a de l'herbe partout. C'est quoi ce scandale? Qui a fait ça? Et qui a fait ça? Qu'on présente le joueur qui a fait cette cochonnerie? Ça va pas du tout. Non, mais oh. Donc oui, on avait dit que la jardinière absorbait la clôture. Ici. Oh. J'étais un sauvage, je ferais ça comme ça. Avec celui-là. Ouais, parce que l'autre va être trop galère. Tac, est-ce que c'est la bonne hauteur? Est-ce que c'est la... Ça, c'est bon. C'est pas la bonne hauteur. Faut une taille au-dessus. Donc, y a le bruit de l'eau qui nous détend derrière. Ça irait comme ça, et que ce soit dans l'axe. Ah, quoique, attends. À partir du moment où je le fais droit, ça. Il sera moins organique qu'il était au début, mais à la limite, ça veut dire ici. Là, je rattrape le, là, je rattraperai l'angle. Je pars de là. Ouais, c'est ça. Serais tenté de faire une blague, dis. Il leur manque une. Dorian, tu prends des risques, Dorian. Tu prends des risques. Je vais remettre play un petit peu.
pour avoir un peu de son, parce que sinon vous entendez que le doux son de ma voix, certes c'est sympathique, mais ça va 5 minutes quoi. Là je vais le laisser comme ça. Ah! Je suis pas bon. Je suis pas bien dans l'axe. T'as fait ça. T'entends les caïmans hurler de là? Enfin hurler, faire du bruit. Voilà, ça fait ça. Ça part de là. Ça. Lui, il va là. Celui-là, c'était quoi que j'avais mis? Ouais, parce que ça, c'est la première jardinière que j'ai fait. Je l'ai fait en plaque, en fait. Et en plaque, ça consomme pour pas grand-chose au final. Ça, c'est la bonne taille. Sauf que si je le fais comme ça, c'est pas joli. Donc c'est celui-là. Là. Celui-là. Ouais, ça va être beaucoup mieux comme ça. Allez, voilà. Quel. Hop, ça va jusqu'ici. On va peut-être mettre un arrondi là. Que ce soit un peu plus sympa. Hop, et là il m'en faut un autre. Attraper ici. Je déteste ma vie. Je connais pas la Porsche Cayman? Je sais pas. Il y a une Porsche Cayman? Non? Ça me dit quelque chose, une bagnole Cayman, mais là, comme ça, j'ai pas. Ça existe, non? Une voiture Cayman? Ça a l'air d'être à peu près ça. Ok, donc ça c'est bon. Il manque plus que le cercle entre les deux. Pas cette taille-là. Et à la fin, on rattrapera le tout, hein. À la fin, ça rentre. Ça, quoi. Bah, il y a un petit défaut. Je suis pas assez loin. Ça. Prêt. Et de l'ombre. Allez. Voilà. Et c'est celui-là que je redéplace un petit peu. C'est marrant, en fonction de la lumière, ça me donne pas la même impression. J'avais l'impression qu'il était trop haut et finalement, il l'est pas. C'est un peu au feeling. Voilà. On va le faire au feeling comme ça. Muf. C'est compliqué. Tac. Non, là, ça m'aide pas. Ok. Un deuxième. Ça, c'est. Là, tu vois, ça, c'est pour vraiment pour de la bricole. Et tu te retrouves coincé à être obligé d'en mettre. Ben non, il est pas bon. Comment je fais ça? Je fais ça. Oui, c'est quasiment bon, hein. Personne verra le détail, on est d'accord. Personne ne le voit, ça. Oui, nous sommes d'accord. Au moins, tout le monde a compris ma blague et je suis... Non, je... Non.
Voilà, allez, on valide ce morceau-là. Du coup, à partir du moment où t'es comme ça. Yes. Il y a la jardinière qui revient dessus, de toute façon. Alors attends, ce que je vais faire, c'est que je vais virer les morceaux en trop là. Parce que je sais pas comment je me suis débrouillé à un moment donné. Je vais pas être concentré sur la première. Ou alors je me suis fait mon schéma et puis je me suis dit, ah vas-y, on pense comme ça, tant pis. Tac. C'est beaucoup trop grand ça. Ça va jamais passer. C'est quelle taille? Ouais, ça c'est mieux déjà. Peut-être celui-là d'après. Ça c'est bien. Tac. Ouais, ça joue sur des détails, mais tout est histoire de détails dans le jeu en fait. Après là, je pinaille effectivement beaucoup sur les niveaux, alors qu'à un moment donné, je pourrais aussi dire bon, ça le fait, mais je sais que je m'en voudrais si je le faisais. Donc je ne le fais pas. Bon, ça fait quel bruit, hein? Ça a l'air d'être quasiment bon là, il faut que j'incline un peu plus. Ça fait quel bruit un caïman, enfin un crocodile en général, un lézard, un dino ça rugit, non, ça c'est les tigres. Ça pourrait faire quoi comme... Tac. Ouais, c'est chaud en fait. Faut pas que je fasse comme ça. Ah, flûte. Faut pas que je fasse comme ça. Je vais prendre celui-là qui est. Pas du tout. Prends celui-là qui est trop grand. Voilà, juste pour m'aligner, pour faire mon ma ligne. Ça fait ça. Ouais, c'est ça. H dans un jeu pourrait être un level designer qui déchire, mais je ne sais pas. À vrai dire, je ne sais pas. Je pense pas, je pinaille trop en fait. Je prends trop de temps sur certains moments, sur certains, je pense. Donc je serais pas forcément, enfin je serais peut-être sympa en tant que en tant que designer de machin, mais je serais pas du tout sympa à payer, tu vois? Parce que le rendement à l'heure serait pas forcément ouf, je pense. Voilà, et là on est bon. Et là on va jusque là. Que là. Ouais, bah vous savez quoi? Ça va être quasiment bon. Ça et là du coup, je suis trop loin. Ouais, il faut vraiment que je joue un truc en truc. Donc, c'est dans ce sens-là. Et on se dit que c'est pas mal. On se dit que c'est bon. C'est bon. Tac. Sachant qu'il y a les jardinières qui vont par-dessus. Alors, ça c'est validé. Vraiment? S'il te plaît. Si. Respecte-moi. Tac. Donc, ça on est bon. Hop, je replace vite fait ma jardinière, mon terreau et cette partie-là, elle est considérée comme terminée. Alors. À partir d'ici. Là, je suis moins exigeant au niveau de l'alignement parce que c'est vraiment l'idée de la jardinière terreau machin. Donc, c'est vraiment moins grave pour le coup. J'allais jusqu'au bout. Tac. On va reprendre ici. Ça s'appelle du paillis. Comme Florent. Non, c'est pas ça? Faire ça comme ça à peu près. Oui, j'ai fait cette blague, j'ai osé. Tac, ça fait à peu près ça. Et pour certaines choses, tu es obligé de toute façon de d'être un peu moins regardant parce que tu vois là. Par exemple, c'est hyper compliqué de faire l'angle. Tu vois, je vais galérer pas trop longtemps parce que je vais pas être
De toute façon, je pourrais pas faire exactement le même, clairement. Donc je le fais légèrement arrondi pour que ça fonctionne. Je vais peut-être mettre 2-3 fleurs là, du coup, parce que j'ai mis que de la verdure, c'est peut-être dommage. C'est celui-là. Yes. Et c'est là que c'est bien, enfin c'est bien. Moi, je trouve ça intéressant, entre guillemets, de voir comment c'est fait. Après, comme j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois, c'est pas forcément hyper excitant en termes d'action, mais c'est comme ça qu'on fait, quoi, mine de rien. Le jeu, c'est ça. Quand tu fais tes habitats, c'est ça en fait. Lamenter, pleurer, vagir. Ok, merci beaucoup, Stéphane. Merci beaucoup. Alors, du coup, je vais bouger un peu celles qui sont là pour placer des fleurs. Ouais, on va faire ça, on va pas faire ça, hein? Hein, dit. Tac. Hop, je me fais 2-3 places à l'arrière. Voilà, alors les fleurs que j'avais utilisées, c'était lesquelles? C'était lesquelles? C'était celle-là. J'en avais utilisé une autre devant. Ouais, non, on va prendre celle-là. On va prendre celle-là, elles sont bien. Hop, ici. Ah, puis une par là. Yes. On prend les petites là pour boucher les trous. Là, on va peut-être prendre ça un peu. Non. Ça, hop. Et allez, voilà. Ok. On a la vue sur un truc noir. Draco, il y a moyen d'importer des objets créés avec Blender ou 3ds Max, par exemple? Pas du tout, Draco. Absolument pas. Pas dans Planet Zoo. Dans Planet Coaster, ils ont fini par le faire au bout de 5-6 ans, mais dans Planet Zoo, non, c'est pas possible. Mais si tu regardes, va sur le workshop de Planet Coaster et tu verras ce que certains ont fait. La démarche est intéressante. Après, il faut une. Oh, mais il me manque. Ah, mais je me suis planté de niveau. Ah non, mais c'est parce que j'ai les. Qu'est-ce que j'ai fait là? Comment ça se fait qu'il a atterri là? Lui, il est pas là en fait. Parce que je me suis déconcentré. Vous m'avez laissé me déconcentrer. En fait, lui, il a rien à foutre là. Ah, c'est la fin du monde. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est pas là, en fait, qu'il était. Là, je me suis laissé déconcentrer par la jardinière, mais en fait, il va là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va pas du tout. Il avait ça. À quel moment il était plus placé au bon endroit? Ouais, du coup, c'est la 4. Non, ça va aller. Va aller, faut que je remonte les poteaux, quoi. Mais ça va aller. Par contre, là, ça touche pas, on est d'accord? Ouais, ça touche pas. Vous m'avez pas. Ah, vous avez pas fait attention, quoi. Très déçu. Tapis du coup. Il me faut les deux. Ça va pas du tout. Qui a fait ça? Du coup, il y en a aucun qui touche. Si, ceux-là, c'est des grands. Donc ça touche. Voilà. Ok. Et du coup, ça dépasse plus. Bien joué. Ah, super. Merci pour le soutien.
Comment je fais ça? Peut-être pas trop me prendre la tête là-dessus non plus, il faudrait qu'on avance. Donc. J'entends presque le bruit de la mer. Non, il y en a un qui est mal placé là. J'entends presque le bruit de la mer, c'est ouf. Non plus. Voilà, merci. Je vais de dos, mais GG, c'est magnifique ce que tu fais. Merci beaucoup, Asmodan. Merci beaucoup. Très gentil. Merci, merci. Tu le vois, je me donne du mal. Parfois, un peu trop. Est-ce que vous trouvez, tiens, petit sondage comme ça, vu qu'on finit une série sur Planète Zoo ce soir, petit sondage, est-ce que vous trouvez que je me prends trop la tête? Si oui, votez 1. Sinon, votez 2. Ouais, j'ai une petite idée, Neutrino. Mais je te dis pas. C'est le mec un connard. Ouais, je sais sur quoi est le prochain DLC dans Planète Zoo, mais je vous dis pas. Ouais, ça le fait comme ça. Te prends pas le chou. Ça le fait. C'est pas mon idée de départ, mais ça, pour l'instant, ça le fait. Je remonte un peu cela, du coup. Prendre ça là. Cela. Clairement, oui, si je me transpose. Un pour certains trucs. Deux. Ah ben, sympa. Vote, ouais, yes. Je me prends trop la tête sur certains trucs. Ok, je note. Je note. Non, mais je note. M'en souviendrai. Merci les gars. Merci les gens. C'est sympa. J'apprécie. C'est le mec qui pose la question, mais après, il est hyper susceptible. Du coup, il est vexé de la réponse. Uf. C'est votre tempérament de bien faire. Ben, c'est un peu dans mon. Ouais. Un peu. Est-ce qu'on dit tempérament peut-être? Ouais. Ben, je sais pas si c'est de bien faire, mais j'essaie de m'appliquer sur ce que je fais, quoi. On va dire ça comme ça. Puis je sais. En fait, le truc, c'est que je sais que le rendu final, il est à la hauteur de ce que je veux parce que je me suis pris le chou dessus, tu vois. Au final, là, je m'aperçois qu'il y a des trucs qui dépassent. Ça me rend malade. Et ça m'énerve. Pourquoi? Bon, vous savez quoi? Pour la partie extérieure, va falloir, je trouverai une réponse. Mais là, ça me paraît pas être convaincant. On va se la laisser comme ça pour l'instant, ce côté-là. Faut que je réfléchisse. Ça me va pas, là, cette histoire. Ou alors, faut que le cercle soit plus petit. Oh, ça me. Faut que le cercle soit plus petit, c'est ça l'idée? Je recommence avec un cercle plus petit. Est-ce qu'ils sont groupés toujours, eux? Oui. Vas-y. Si on prend 2 secondes, je cœur t'énerve pas. Voilà, on en garde un, qui va être donc celui-là. Yes, et tout le reste. Hop. N'y en a pas pour longtemps de toute façon. Non, Neutrino, je pense, enfin, je pense et j'espère que c'est les oiseaux. Je pense et j'espère que c'est les oiseaux pour la suite. La suite des DLC. Allez. Allez, allez. Ce coup-ci, tu fais ça bien du premier coup. Sois pas embêté. Eh non, mais. Ah, puis vous me laissez faire en plus, hein. Je le ramène un peu. Voilà. Si je veux pas être embêté. Ça fait ça. Ça me prendre 2 secondes. En vrai, au moins je serai pas énervé, frustré. Salut, Brilli. Bonsoir à toi. Bienvenue sur la chaîne. On laisse toujours faire le chef. Sympa ça. On laisse le chef se planter, faire des conneries, et puis après on revient pour dire chef. Je vais même, tu vois, vous m'avez fâché là. Vous le sentez que vous m'avez fâché ou pas?
attaque. Je pense que ça va le faire comme ça. Voilà, si je valide ça. Ah, mais on va y arriver, hein. Et puis je me place tout de suite au bon endroit, sinon je vais te coller. On soutient moralement. C'est ça. Ouais. Soutien moralement. Ouais. Je te vois, hein, Dorian. Rappelle-toi. Alors. Tac. Ça. Là, on est au bon endroit. Quasiment. Voilà. Ok. Yes. Du coup, de ce poteau-là, je vire tout ça. Allez, s'il te plaît. Merci. Tac. Est-ce que je les vire tout de suite? Oui, je peux. Alors. Ça. Ok. Et ces deux-là. Reste quasiment, quasiment bon. Colère. Mais non, je suis pas colère. Je me mets pas en colère. Ok, donc là on est bon. Pour ça, on est bon. Ensuite, normalement, on n'a pas l'extérieur. Là, j'ai visé suffisamment serré, donc ça passe. C'est bon. Ok. Je peux remonter le tout. Je vais pas faire le suivi de la pente. Faire comme ça. Puisque ça donne déjà un effet. Yes, c'est ça. C'est suffisant pour que ça se voit, mais pas trop. Nickel. Alors attendez, excusez-moi une seconde. Hop, hop. Donc là, on est bon. Juste pour savoir, le rond du haut ressemble à une goutte d'eau. C'est voulu. Oui. Oui. Parce que c'est le raccord avec la forme générale, en fait, tu vois. Ça fait hop et ça descend. Sachant que ça va descendre jusqu'au bout. Donc oui, c'est voulu, ouais. Merci beaucoup, Brilli. Merci, merci. On se donne du mal, là. On se donne carrément du mal. Donc par contre. Il est où mon cercle? Genre je l'ai su... Mais je l'ai supprimé vraiment? Mais je suis un... Et vous me l'avez pas dit? C'est un truc de malade. J'ai un mug d'affiché sur ton Steam, ça ressemble un peu à la vidéo glitchy de Chimérie pour désolation, mais en faisant F5 c'était réglé. Putain, j'ai même pas fait gaffe, abusé. Abusé. Donc, hop, fais attention là. Voilà. Charivari, qu'est-ce qui t'arrive? T'avances au taf à plus. Ouais, courage, Charivari. Courage à toi. À plus tard. Donc là, on fait attention. J'ai même pas fait gaffe, j'avais pris les cercles. Sacre. Ok. J'arrive à choper tout. Sauf le haut et sauf les cercles. Pas ça. C'est pas grave ça. Ah, c'est bon. Voilà. J'ai l'impression qu'il faut que je monte jusqu'en haut en fait. Non, c'est pas ça. C'est ça. Il est placé ou pas ce truc là, à force? Parce que je sais plus ce que je fais. Est-ce qu'il est placé? Oui. On est en train de perdre du temps là sur ce truc là. Ça m'énerve. Alors. C'est pas du temps perdu, mais. Ben, ça va faire ça. Bon. Ça a évolué par rapport au plan d'origine quand même, hein, on se le dit. Entre nous, mais. Ça a évolué. Ça le fait. Donc, je suis plus dedans. Je suis plus dedans du tout. Ah, mais je me fais avoir. Bon, ok, vous savez quoi? Je vais pas me fâcher. C'est censé être là. Ouais, c'est parce que c'est incliné. Forcément, j'ai pas le choix. Bon, on va la valider comme ça parce que je voudrais faire le reste. Donc, on va la valider comme ça. Par contre, on va
on va même le laisser de côté, ce truc-là, parce que je vois que j'ai encore pas fait attention à un truc. Donc on va le laisser de côté. Oh, je suis pas au bon niveau. On va le laisser de côté, on va s'occuper des pontons comme prévu. Sinon, je vais m'énerver. En fait, je suis censé être là. Censé être calé sur ce truc-là. Bref. Ça, c'est quand tu... Je devrais pas parler, en fait. Le fera comme ça. Là, il y aura quand même des poteaux. Là, tout ça pour un baobab, quoi. Là, j'ai quand même des poteaux qui descendent jusqu'en bas, avec une mise en lumière, tout ça, machin. J'ai la partie basse. Votre avis? Je veux bien votre avis, là. Pensez qu'on est sur la bonne voie, ou à votre avis... Je pense que oui, mais... Et salutations, Gorzak. Ah, vous m'entendez plus. Oui, j'ai appuyé sur 5. Mais ça s'est arrangé. Donc je disais, ouais, le truc, c'est que j'imagine une mise en lumière de ce truc-là. En fait, à la fin, ils sont là. Ça arrive. Hop. Hop. J'imagine, tu vois. En mettre un ici. On avait parlé, rappelez-vous, hier, la semaine dernière, de la mise en lumière de la zone. Où est-ce que tu es là? Peut-être là. Ouais, si les points d'alignement, ça peut être bien. Pas quoi que. On y arrive, on y arrive. Oh, ça fait ça. Voilà, et imaginez un truc comme ça. Ok. Hop. Oh, une accroche de l'œil, en fait. Ouais, je pense que ça le fait. Ah, mise en lumière, ben si tu dis pas tout aussi. Non, mais tu vois, j'imaginais en fait que cette partie-là, je pouvais la, genre même ici, enfin,
Là, je pense que je vais être trop près, mais tu vois, on en avait parlé la semaine dernière. J'avais expliqué le fait que j'aurais bien mis en valeur mes voiles, tu vois, parce qu'on s'est donné quand même un mal de chien. Là, je pense que l'éclairage est pas forcément bon, mais tu vois, j'avais dit que j'aimerais bien faire une mise en lumière de cette zone-là, ce que j'ai fait dans aucune zone puisque mon zoo est jamais ouvert le. Alors, je pose à l'arrache. Mon zoo est jamais ouvert la nuit. Mais tu vois, j'avais envie de quand même mettre en valeur les choses. Parce qu'on a quand même bossé comme un ouf dessus. Donc voilà, bref. Mais que voilà. Ah, coucou Microsan! Ah, attendez une seconde, je vais boire un coup, je vais machin tout ça, je vais sauvegarder aussi, ça peut être bien. Sauvegarder. On va essayer de. Alors, soit je finis ce morceau-là rapidement, peut-être faire ça rapidement. Là, dans l'idée du coup, ça descend jusqu'en bas. Peu importe là. Tac. Il est censé être. Oui, non, c'est bon. Il est censé être un peu plus. Ce mur-là, qu'est-ce que c'est ce mur-là? Comme ça, on finit un peu la zone. Parce que lui, il est censé être là. Parce que mine de rien, il dort là, en fait. Ça paraissait pas, mais. Tac. Avec donc la première partie là, l'arrondi, je vais pas m'en préoccuper vraiment, si ce n'est le fait qu'il faut que je descende là. Tais-toi. C'est les deux mêmes, c'est tout dans le même axe ça? Oui. Elle a dit Doujanaf debout. Elle a dit. Pas compris ce que ça veut dire. La question c'est est-ce que. Ben si, je le fais comme ça. Si. Fais-toi confiance. Ça va là. Parce que ce que je disais tout à l'heure qu'on a parlé de cette zone-là, je me disais que je pourrais faire le même système de sous-toit à cet endroit-là. Et du coup, il irait jusqu'ici probablement. Donc là on fait la partie basse. Ça veut dire qu'on repart d'ici. On va repartir sur ce bloc là en tout cas. Tac, je fais rapidement ça. Ça va être... c'est quelle taille? C'est à peu près cette taille là. Et puis après il faut que je recale ma clôture en fonction de cette taille. On va faire ça. Oui. Faire ça. Donc le premier. Ah, ou alors je prends les grands. Celui-là. Ouais, c'est ça, on va gratter un peu. Quoique non, ça va jamais suivre le motif. Faut que je regarde ça comme ça. Celui-là est trop petit. Là, si je fais la courbe, c'est vraiment cool, mais ça va faire beaucoup de petits morceaux, c'est un peu con. Ouais, on va le faire sur cette taille-là. On va le faire sur cette taille-là. Alors, ça veut dire. Hop, on cale la hauteur déjà. C'est la bonne. Je pense que je vais m'autoriser ce petit défaut parce que j'ai pas envie de refaire le morceau là. Je pense que je vais m'autoriser le petit défaut de gazon. Mettre une chaise, plante verte. Ah, vous voyez. Okay.
On sait quoi, Charivari? Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il, Charivari? Ça a l'air d'être. Tac, et donc là, du coup, faut qu'on. Ah, purée, c'est chiant. Faut qu'on fasse vite fait. Bon, en tout cas, je suis vraiment, vraiment content du rendu général, honnêtement, de mon zoo. Je trouve que je m'en suis. Alors, il y a certaines zones que, tu vois, que je me disais, alors je sais pas pour tout de suite, hein, il y a certaines zones où je me disais, je vais les refaire. J'aurais pu le reteinter en blanc tout de suite, par contre. Histoire de pas perdre de. Il y a vraiment certaines zones où je me dis, je les referai un jour. J'en connais des plantes vertes si tu veux. Hein? Mais sinon, pour le global, le rendu général du zoo, honnêtement, je suis assez content parce qu'on vient, on mine de rien, on est parti de zéro quasiment parce qu'on a fait juste la campagne. On est parti de zéro et on a quand même réussi à faire des choses, certains trucs, honnêtement. Alors bon, j'avais Planet Coaster dans les mains, hein, mais quand même, peut-être retoucher la zone tortue. Bah, notamment Neutrino, la zone tortue et la zone phacochère, aujourd'hui, si je devais les faire, je les ferais pas du tout comme ça. Elles sont kitsch en fait, tu vois. Elles sont kitsch, elles sont vraiment en mode cliché. Enfin, tu vois, je pense que je les ferais pas comme ça, clairement. La zone d'entrée, je changerais pas l'entrée en elle-même parce que je la trouve très jolie, l'entrée qu'on avait fait ensemble là, l'entrée d'Actari. Mais l'habitat lui-même de la tortue, clairement, je le referais, ouais. Parce que je le trouve, ouais, je le trouve entre guillemets pas au niveau. J'ai envie de dire ça comme ça, pas au niveau de tout ce que j'ai pu faire après. Tu vois? Donc clairement, ouais, faut leur faire une mage, c'est ça, exactement, faut faire une mage aux tortues et tout. Après là, honnêtement, je le ferai pas sur cette série-là. Hein. J'ai besoin aussi moi. On va pas se mentir, ne nous mentons pas. On va pas se mentir, j'ai aussi besoin de moi d'aller jouer à autre chose, tu vois, en termes de jeu de gestion et puis en termes de jeu tout court. Donc là, ça m'emmène jusque-là. Ça fait à peu près, c'est correct hein, en termes de. Ouais, ça le fait carrément. Ça le fait carrément. Limite, 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 limite. Non, ça va. Ça va. Il va falloir que je trouve une petite jonction là, qui fasse la jonction. Ce serait cool. Et bonne nuit, Dorian. Bonne nuit à toi. Très bonne nuit à toi. Tac. Du coup, je vais essayer d'aligner mes poteaux à peu près dans la théorie. Ce serait pas mal. Je peux. Un minimum, mais non, donc oui, j'ai envie de, tu vois, j'ai envie d'aller jouer à autre chose aussi, clairement, mais le une mise à jour de, à limite, je peux même les passer en vert avec le, ah, ce serait pas mal ça, si je fais ça, si je passe toute cette série là avec la rambarde là, ça peut être cool, ça peut finir le haut, ce vert. Non, ça va me mettre les piliers, ça peut être bon. Non, j'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Ouais, on va se caler dessus, comme ça c'est propre. Comme ça je m'en veux pas et je suis content de moi. Mais non, jamais j'y arrive par contre. Bref, donc je sais plus ce que je disais. T'es en train de t'emmerder, Ashker, là. Tu peux faire 1 sur 2, ça marche. Sur deux, ça fonctionne. Ouais, ça fait super loin. Alors, tu sais quoi? Pause. Voilà. Pause, on fait. Hop. Attends. Sais pas ce que j'ai enlevé, mais j'ai enlevé un truc ailleurs. On va reprendre juste le petit morceau là. Tac, tac. Et c'est bon. Grosso modo.
On va les replacer un tout petit peu après, mais on me donne le l'orientation et la longueur générale. Toi, viens là. Ça, c'est le mec qui pinaille un peu. Peux pas te mettre là? Je veux pas. Ok, là, si tu veux pas, on fait ça. Eh ben faisons ça, tiens, tu as raison le jeu. T'as raison, empêche-moi de pinailler, t'as bien raison le jeu. Hop, voilà, le jeu il dit non, tu nous emmerdes. Ok. Allez, validé comme ça, très bien. Tous les assets sont modifiables de taille? Ah non, pas du tout, Charivari. Il n'y a rien qui est modifiable de taille. Pas si, les clôtures, tu peux modifier la hauteur, mais sinon tout le reste, y a zéro scale, hein. Il n'y a pas d'échelle. Du coup là, ils arrivent, ils voient à peine au-dessus. Peut-être ça vaut le coup de complètement fermer ça. Voilà, comme ça ils auront la surprise au début. Voilà, nickel, c'est très bien ça. Comme ça ils arrivent vraiment dans la zone. Ils ont ce mur blanc. Voient des choses qui se passent, mais ils savent pas ce qu'il y a derrière. Si haut que ça, c'est bien. Devrais mettre en clôture invisible vu qu'il y a le plastique devant. Ouais, je pourrais. Je pourrais, mais j'ai des craintes sur sur certains trucs faits longs. Je peux tester, mais. Tu sais, on a quand même des animaux qui arrivent à se barrer en volant alors qu'ils ont jamais volé de leur vie, hein. Donc là, il y a eu un. Il y a eu un DLC, certes, mais tu vois, je suis à peu près sûr qu'entre deux. Je vais le laisser en vert. Je suis à peu près sûr qu'entre deux éléments blancs, ils vont se barrer. Donc je prends même pas le risque. Là, il faut le finaliser avec un bloc. Qu'est-ce qu'on met? Le dernier, c'est celui-là. C'est ça. Je sais plus ce que je disais. Je disais un truc, mais. J'ai mangé ma phrase. Des manchots par exemple. Bah, par exemple, ouais, c'est ça. Manchots volants. Par exemple. Bon, tout ça pour dire que du coup, évidemment, au prochain DLC, je reviens sur Planet Zoo et sur le même zoo. Ah, j'y arrive pas. Et sur le même zoo. Évidemment, hein, on continuera, mais là, ça va faire du bien aussi de faire une pause, ne serait-ce que créativement, pour penser, puis ça paraît raisonnable. Alors, toi, tu vas là. Hop, comme ça, on a notre clôture bien nickel. C'est trop carré. Attends. Si je prends celui-là plutôt. Ouais, c'est bien ça. Le problème, c'est que. Ouais, non, si, c'est vrai, ça le fait. Ça le fait. Ça fait un truc un peu étrange, mais ça le fait. Non, ça le fait. Trop petit. Un peu grand. Ah. Ouais, si ça va le faire avec ça. Tac, on va jusqu'ici. Ok. Ça. Rien du tout. Eh, blanc sur blanc, full camp. Voilà. Limite, on n'avait pas la sculpture du caïman là, on pourrait se mettre la sculpture du caïman. Coucou à Wasax. Quoi? On s'est pas vu tout à l'heure à Wasax. Je regarde vite fait, je crois qu'on l'a. Hop, ici, ici, pas du tout. Voilà. Ouais, sauf que non, elle marche pas. Non, ça marche pas. Ça aurait été amusant, mais. Un peu juste.
C'est un peu juste. Ouais, non, ça marche pas. Ok. On se laisse ça comme ça pour l'instant. Alors, du coup, dans le coin, ça, je m'en occupe pas ce soir, je le ferai hors stream. L'idée, c'est juste en fait, hop, c'est juste que ça, c'était le plus grand que j'avais mis ou pas? Tac, ouais, c'était le plus grand. C'est dans l'idée, c'est juste de dire, je prends celui-là. On va faire un, je vais pas le faire, hein, mais. Et je pense que c'est trop ce que j'ai fait. Qu'on referait le même rebord qu'on a fait en haut, qui rentrait très bien. Tac. Je sais pas si je suis droit. Après. Ça fait ça. On va absorber le rond là. Par contre, je suis peut-être trop loin de ce côté. Non, c'est bon. Ça me fait penser que j'ai toujours une cloche là-dedans. Absorber le... Là, on fait un arrondi, hein. Absorber le cercle dans une bordure. En gros, on va faire dépasser ça, quoi. Bon, là, ça marche pas, mais... Si, ça marche si je le fais séparément. Ah, si, attends. Attends, je cœur. Pas vouloir aller si vite. Là, j'ai le trou, c'est normal. Je fais ça. Voilà, l'idée, c'est d'avoir le même pour souligner les différentes de les différents niveaux. Comme vous me l'aviez dit la semaine dernière, vous m'aviez dit, bah tiens, le problème, c'est que blanc sur blanc, ça écrase tout et on voit plus le truc. Donc l'idée, c'est de faire un tout petit rebord pour compenser, enfin, pour absorber le cercle qu'on a fait là-bas. Et du coup, je peux le faire, tu vois, je peux le faire assez vite parce qu'on a du, on a de la marge dans le, dans les blocs qu'on a, je pense. Tac, ça fait ça. Ça. Je vais régler après. J'étais un peu juste. Parce que lui va être là. Ah, j'ai dit que je le faisais pas, et puis du coup je suis en train de le faire. Bref. Hop, donc ça fait ça. Ah, ça a joué comme ça, c'est simple. Ah. Okay. Mais le pire, c'est que, enfin, il y a certains trucs, c'est laborieux quand on les fait. Ah, genre, quand je fais les jardinières et tout, c'est vrai que c'est un peu longuet. Mais en même temps, c'est super satisfaisant. Attends, non, je vais le faire en deux fois. Bien, moi, quand il y aura des tigres à dents de sabre. Il y a un mec américain qui a créé et modélisé des modes pour Planet Zoo, des trucs de fou, des licornes, des... Ils sont compliqués à installer. Bah ouais, mais tant que... Comme je le disais l'autre fois, hein, comme je le disais l'autre fois, il a... Planet Coaster a fini par supporter les modes, il faut attendre que Planet Zoo supporte les modes. Et sinon, pour les dents de sabre, il y a Prehistoric Kingdom qui va sortir bientôt. Pas bientôt. Suite. Va sortir Charivari. Et je le ferai. C'est un jeu très 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 lourdement inspiré de Planet Zoo. Mais avec, bah, vous avez deviné, Prehistoric Kingdom, quoi. Vous avez deviné l'idée. Bon voilà. Du coup, ça donne ça. Voilà, je l'ai pas fait en trop de temps, donc c'est cool. Et ça met en valeur... Voilà les deux niveaux.
Ouais. Pas mal. Comme ça, c'est pas mal. Hop. Hop. Celui-là, il est bon. Comme Denis. Ok, ça c'est bon. Et ici, ce serait comment? Ce serait, ça c'est le grand cercle. C'est le plus grand. Ça va. On a de la marge. Et on se débrouille pour rattraper l'an. Ça me paraît pas mal. Curieux de le voir. Q2 2021. Yes. Merci, Neutrino. Et tu peux chercher, Charivari. Cherche-le sur Twitter si t'as Twitter. Sur Steam, je crois qu'il est visible aussi. Honnêtement, hein, c'est très 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 largement pompé sur les mécaniques de Planet Zoo, mais je leur en veux pas. Ouais, les mécaniques de Planet Zoo sont quand même vachement 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 bien. Et c'est pompé dessus et clairement ça va être un excellent, enfin tu vois, s'ils ont le niveau de, parce que mine de rien c'est Frontier hein, quand même, qui s'appelle, qui fait Planet Zoo, mais c'est pas Frontier qui fait Prehistoric Kingdom. Mais si le studio qui développe Prehistoric Kingdom, il a le niveau, honnêtement, il va être absolument terrible. Si je fais ça comme ça, en essayant de rattraper gentiment ma courbe, après ça, quoi. C'est ici, là. C'est à peu près ça. Et là, explosion. Il est sur Steam, yes. Et non, mais il est tout ce que Prehistoric Kingdom, il a l'air d'être tout ce que j'aurais aimé que Jurassic World Evolution soit. J'ai vraiment espéré, parce que c'est Frontier qui a fait Jurassic World Evolution. Quand ils ont fait Jurassic World Evolution, j'ai vraiment espéré, mais du fond du cœur, qu'ils nous fassent un Planet Zoo version Jurassic. Parce qu'ils ont le talent, ils ont le moteur, ils avaient tout ce qu'il fallait pour. Vu que c'était de la sous-traitance, c'était pas leur jeu. Ils ont fait le service minimum et il y a quasiment zéro customisation. Et c'est ça qui me manque absolument dans Jurassic World Evolution. Il y a absolument aucune. Ouais, ça va être cool. Il y a absolument aucune customisation de. Tu peux pas construire tes bâtiments, quoi. Typiquement, t'as les pré-made et puis tu joues avec ça, quoi. Tu vois? Un jeu de gestion de base. Y a pas le côté, y a pas ce côté incroyable de Planet Zoo, Planet Coaster. Ça buzz, ça passe bien. Ah, buzz Farfi et Loïc tout à l'heure sur quoi? Sur comment s'appelle ce jeu bordel? Je ne sais plus. J'ai jusque là pour être bien. Oh, attends, ça. Sur. Comment s'appelle ce jeu? J'ai perdu mon info. Étonnant de ne pas mettre le même gameplay. Non, pas sur Flight Simulator, je pensais quand vous étiez avec Farfi. Sur. Bah, le jeu de bagnole où tu joues au foot, le Rocket League. Bah, étonnant en fait, Charivari, c'est que c'était une commande. C'était pas leur jeu. Il a été. Ils ont. Bah, ça a été une commande. Voilà, je résume ma. Je résume ma phrase. C'était une commande le Jurassic World Evolution et donc du coup ça explique qu'ils ont pas mis leur moteur dedans, tu vois. Parce que c'était pas leur jeu. Ils ont fait un jeu de gestion au demeurant pas mauvais, hein. Mais il a pas le. Voilà, on est bon. Voilà. Et nickel.
Du coup, comme ça, on a camouflé notre cercle, on a absorbé, enfin, on a mis en valeur toute la ligne là. Marrant parce qu'il y a une vraie, du coup, il y a un vrai contraste entre la ligne haute qui est très ronde et la ligne basse qui est très droite. Il y a vraiment un vrai décalage. Je pense quoi de Star Citizen? Je connais pas. Yes, du coup ça c'est cool. Là ils arrivent ici. On a cette petite. Ouh, c'est pas joli, ça y a un trou. Qui dirait un trou? C'est où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qui se passe? Ah, attendez. Qu'est-ce qui se passe? Je suis perdu. Non, il n'y a pas de trou ici. Il y en a là-haut. Ok, c'est bon. Tac. Bon, et eh ben ça, on est pas mal. Ça, avec la mise en lumière, machin, tout ça. Il me manque quelque chose sur ça là, mais on va pas, je vais pas continuer parce que je sens que la sensation n'y est pas, comme dirait l'autre. Je vais pas insister pour l'instant sur cet élément-là. Je le retravaillerai hors stream. Ça, vous le découvrirez un jour, la suite des événements. Est-ce que je finis le morceau du paquebot ou pas? Où je m'occupe des pontons. Ouais, les pontons, ça finirait bien le truc, mais ça serait pas mal aussi. Donc là, en fait, on arrive d'ici. On arrive d'ici. On arrive de là. Donc, on a cette ligne à droite, boum, pas à gauche, pardon. On a la belle ligne là qui va aller s'écraser jusqu'au bout, là, je pense. Je pense qu'elle va aller un peu plus loin. On va voir. Et donc là, c'est une partie jardin. Là, rappelez-vous, j'avais expliqué, je voulais mettre une voile ici. Je voulais introduire l'idée de la voile à cet endroit-là, au milieu d'un jardin. Donc là, en gros, ça veut dire qu'il y a un poteau en bois qui va venir derrière. Je prends ce truc. Il faut être efficace ce soir, hein, parce que c'est le dernier stream avant un moment sur Planet Zoo. Donc il faut être efficace. On s'arrête pas. Celui-là. Bâtiment Lacoste. Ouais, pas loin. Pas loin, pas loin. Là, je sais pas si c'est un angle parfait ce que j'ai fait ou pas. Non, pas du tout. On va le faire à l'œil. Faisons-le à l'œil. Voilà, c'est vertical. Je pense que oui, en plus. Tac. Et du coup, est-ce que mon poteau, il peut pas servir de structure? En plus d'être un poteau qui tient la voile, est-ce qu'il peut pas servir de structure à un endroit donné? On va voir. Là, il est censé y avoir, voilà. Hop, ici. Quand on arrive ici, on a. Donc ça c'est une partie que je vais refaire. La partie à gauche, là, celle-ci, je vais la mettre en version aquatic park. Donc on a la voile. Est-ce que je peux, par exemple, mettre ma voile plus loin? Ah non, elle est bien là où elle est en fait. Bien ici. Ça, elle crée une ombre sur le bâtiment, c'est plutôt classe. Ça bouge pas, donc ce sera pas une structure. Je vais prolonger ce morceau-là tout de suite pour voir jusqu'où on va. Mais logiquement, on va jusqu'au bout du toit, jusqu'ici. Et c'est vraiment le, enfin, l'inspiration, c'est vraiment le paquebot pour le coup. Donc là, on va jusqu'ici. Pas le temps de niaiser, comme on dit. Il me faut, je récupère ce niveau-là. Alors, est-ce que je couvre ici? Tiens, bonne question. Bonne question, Ashker. Ah, ce serait pas mal, hein. Ça me finirait de mettre en valeur le. Donc, je vais prendre le grand directement. Et il est là. Et ce bâtiment n'est pas que beau. C'est ça. Exactement. Bien vu.
Bien vu. Je pense qu'il va falloir que j'incorpore du bois dans l'entrée. Dans l'entrée ou dans le jardin, d'une manière ou d'une autre, il faut que j'arrive à faire rentrer du bois. Parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le blanc est très très sympa dans l'idée moderne, machin, tout ça. Mais il devient monotone avec le temps. Tac, et toi tu vas jusque là, du coup. Pas forcément. Le bâtiment peut s'arrêter avant le paquebot. Peut s'arrêter là, genre. On va voir. On va voir. Je le pose là. Ah, je sais pas. Là pour l'instant. Donc ouais, je disais, je finis de mon histoire de bois là. C'est que ça peut vite devenir monotone à un moment donné. Et je me disais qu'il fallait que je réincorpore du bois. Ouais, bonne soirée Brilly. Bonne soirée à toi. Je me disais d'incorporer du bois du genre tu sais, de faire un latté comme ça s'appelle, comme dans les bateaux en fait. Si je reprends mes favoris ici, ici. C'est la poutre carrée pour le coup. Celle-là. Là. Hop. Si je rattrape. Alors ce sera évidemment pas la même taille, mais au moins rattraper le niveau. D'ailleurs, est-ce qu'on rattraperait? Question, tiens. Et je me disais, voilà, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais je me disais que ça pouvait être bien. Je pense qu'il faut que je passe plus haut. Ah, quoique, c'est pas mal. Boiserie intérieure, bateau, je vois. Ouais, c'est ça, c'est ça. Pour casser la monotonie, tu vois, et puis donner une idée de coursive de bateau, par exemple. Ça me paraît. En fait, ça me paraît important que j'aille à fond sur l'idée du bateau, justement pour casser la monotonie. Ouais, bonne soirée, Charivari. Bonne soirée à toi, merci beaucoup, Charivari. Attends, je peux l'aligner sur. Parce qu'on a vraiment travaillé la thématique là, avec les voiles, machin, tout ça. Aligner sur position. Et je me dis, ça vaut le coup. Ah, c'est pas mal pour l'instant. Ça vaut le coup d'aller jusqu'au bout. Par rapport à ça. Tu rentres vraiment dans un bateau, quoi. Enfin, dans un bateau. T'as compris. Tu rentres dans l'esprit bateau. Quitte à, vous voyez, on a mis les hublots au-dessus. Quitte à peut-être à un moment donné travailler un. J'en sais rien, peut-être travailler un faux hublot. Est-ce que j'aurais un cercle qui pourrait faire hublot? J'ai les horloges. Les horloges qui pourraient faire le taf. Si je m'arrête là. C'est à peu près là. Là, j'ai un entre-deux. Alors là, je vais le combler, mais peut-être qu'il faudrait pas que je le comble. Peut-être qu'il faudrait que ce soit autre chose. Et donc, je disais, ouais. Alors, si je reprends le coup des horloges. Horloge? Ouais, tu vois, c'est assez grand, ça. Ça, c'est la plus grande. Oui, ça va rythmer la lecture que l'on va avoir de ton bâtiment. La monotonie, c'est l'œil qui n'arrive pas à être attrapé. Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors là, normalement, il y a un arrière qui est pas trop dégueu. Ah, pas de bol, c'est une horloge des deux côtés. Ah, c'est con. Il y en a une qui a pas les deux côtés, il me semble. Vraiment? Ok. Et la troisième? Genre aussi? J'avais fait avec quoi? C'était Nouveau Monde. Il manque devant des grandes jardinières tout le long. Là, de ce côté-là, non. Parce que là, de ce côté-là, non. Là, il y aura le jardin. Mais il y aura. La jardinière, ce sera sur l'arrière, tu vois. Ce sera ces choses-là. Mais là, de l'autre côté, ce sera pas une jardinière, ce sera. Enfin, je suis pas parti pour faire une jardinière en tout cas. Je suis parti pour faire le jardin à même le sol. Avec peut-être une petite barrière, mais. Ah, au-dessus! Le truc, c'est que tu les vois pas.
Parce que dans l'idée, j'en ai mis, tu vois, mais c'est le genre de truc que tu ne vois absolument pas, à part au moment d'être dessus, quoi. Alors attends, bref, peu importe pour ça. Je disais donc. Disais quoi? Oui, une histoire d'horloge. C'était quoi? C'était dans nous. Il y avait un truc. Putain, je suis dans le désordre par contre, mais c'est pas grave. M pour moi. C'est pas ça. Il y a une horloge. Non, c'était pas Nouveau Monde. C'était classique, je sais pas quoi. Voilà, c'est ça. Je crois que c'est ça qui a un côté et pas l'autre. Ce truc-là. J'espère. Il faut que le bâtiment ne soit pas trop chargé. Il doit rester sobre et épuré. Ouais, complètement. Ça, là, j'essaye. Je regarde. Oh putain, c'est de la pierre, c'est mort. Regarde vite fait si ça fait. Ouais, c'est ça. Il avait un deuxième côté. Ça fait pas comme je pense. Et là, épaisseur. Ouais, tu vois. Là, il va faire le hublot. Mais c'est beaucoup trop béton, c'est pas joli. Donc c'est mort. Ça n'arrivera pas. Et ça, c'est trop. Ça va être du plâtre. C'est beaucoup trop. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Je pense qu'on va rester sur ça. Je pense qu'on va rester sur ça. Ça va être très bien. Alors, c'est carrément fini. Ouais, carrément, Lancelade. Je suis une porte. Devinez laquelle. J'ai pas la blague. Bon, du coup, attends, je finis. On va au moins se concentrer sur un truc pour la fin du stream. Donc, on va finir le paquebot là. Ça veut dire que je vais jusqu'où? Je pense qu'il faut que je reste petit à cet endroit-là. Tu vois, j'ai tiré le mur jusqu'au bout, mais je pense que c'est pas une bonne idée. Genre, là, ça remet jusqu'où? Je fais une. Tu sais, pour que ce soit un peu comme la, tu sais, la cabane des maîtres, sauveteurs en mer, là. Petite cabane. C'est toujours un tout petit format, en fait. La porte-drapeau. Ouais, je pense que c'est la bonne taille, ça. Et après, on a le paquebot, lui, qui se prolonge. Ce que je vais faire, c'est que pour l'instant, je vais pousser la voile parce qu'elle me gêne. Le temps de faire le. Bonne nuit, Space. Bonne nuit à toi. Bonne nuit. Hop. Je récupère ça. Je peux tirer dessus, du coup. Ouais, ça va être pas mal. Par contre, j'ai une différence de hauteur. Qui vient d'où? Et qui vient de là-bas, d'accord. Comme ça. Ah, purée, c'est juste. Oh, dommage. Dommage. Alors, du coup, on va le caler sur ce panneau-là. Ça m'évite de mettre un panneau en plus pour le plaisir. Donc. Voilà. J'ai enfin vu le Magicien d'Oz version première avec Garland. Ouh, la vache. Ah, t'étais chaud. Et alors, t'as aimé? J'ai jamais vu, honnêtement. Sauf que là, lui, t'as un bloc entier. Bah non. Hein. Yes, nickel. Ça, c'est une fausse porte de toute façon. Là, on mettra peut-être un truc. Ouais, ça pourrait être pas mal. Je posterai une série de screenshots sur mon Twitter, je pense, pour la fin du de l'habitat. Toi, t'es là, c'est bien. Là, ici, on est pas mal. Ici, c'est une largeur complète. Je peux prendre celui-là.
l'impression qu'il y a un truc qui va clocher, mais ça va très bien se passer. Rigole cette ombre d'un coup. Yes, merci Microsan. Merci, merci. Je ferai un tour d'horizon sur Twitter de mon. De la fin de l'histoire, enfin temporaire, hein, parce que je le répète, mais dès le prochain DLC, vous me revoyez sur Planet Zoo, évidemment. Tu viens jusque là, toi. Par là. Bon, là, j'aurais joué en play, en pause toute la soirée, mais j'ai 2-3 sujets de gestion à finir de. À régler. Voilà, donc là on est bon. Ça dépasse beaucoup trop par contre. Ça se fait que je l'ai fait dépasser autant. Je l'ai calé sur quoi à l'arrière pour que ce soit aussi décalé. C'est bizarre. Je suis fixé à quoi? S'il te plaît, merci. C'est beaucoup trop. Et là, c'est encore un peu. C'est censé aller jusque-là. Ah, la géométrie, quoi. La géométrie. Microsan au taquet. Mais oui, merci beaucoup, Microsan. Bon, en tout cas, enfin, pour là, on est entre nous, vous le savez, mais Planet Zoo, pour moi, c'est vraiment un. Ah, c'est ça que je disais tout à l'heure. Même quand je me prends la tête, en fait, c'est un pur plaisir. C'est con, on dit comme ça. Même quand je me prends la tête sur des trucs, c'est vraiment un plaisir de penser mon zoo, de penser mes bâtiments. Et des fois, bah, des fois clairement, hein, des fois ça vient tout seul, puis des fois c'est beaucoup plus délicat, on va dire ça comme ça. Mais dans tous les cas, en fait, c'est un plaisir de jeu, vraiment. Drôle pour les costumes, certaines voix des chants. Ah oui. Là, je fais du remplissage, mais peut-être qu'il y aura des décos qui viendraient prévenir ou pas, je sais pas. Je suis même pas sûr, en fait. J'apprécie assez, honnêtement, hein, je vous le dis, j'apprécie assez le côté extrêmement sobre de toute la zone. Le côté. Là, du coup, j'aurais dû mettre une grande plaque. Le côté. Ouais, sobre. Voilà, je n'ai pas d'autres mots. Alors par contre, toi, t'es là, et en fait, aussi être là. Du coup, on va juste déborder un peu de ce côté-là. C'est très bien. Et pour quelqu'un qui est créatif, je sais que Buzz il s'y est mis aussi. Je pense que pour quelqu'un qui est créatif, en fait, c'est vraiment un jeu qui est plaisant parce qu'il n'est pas limitant. Il n'est pas limitant d'un point de vue technique. Donc en fait, vous avez vu le nombre d'assets que vous avez suivi depuis un moment. Alors là, j'ai pas fait dépasser de ce côté-là. Ok, je m'alignerai là. Pas ici. Oh, peut-être. Pas. Ça peut être asymétrique à un moment donné. Ouais, ça peut être asymétrique. Il y a les petits défauts. Mais ça le fait. Ouais, ça le fait carrément. Carrément. C'est exactement ce qui me plaît sur cette zone d'architecture sobre et purée et limite minimaliste. C'est ça. C'est exactement ça. Drôle. Hein. Et Somewhere Over the Rainbow et quelques autres chansons. Ouais, mais je l'ai jamais vu. Ouais. On ferme ce morceau-là. Donc tout ça pour dire ouais, si t'es un joueur créatif, je pense que tu peux t'éclater vraiment dans Planet Zoo, au-delà du sujet de la gestion quoi. Au-delà du sujet gestion, je pense qu'il y a un vrai plaisir à retirer de Planet Zoo. C'est du Baos. Less is more. Non mais tu vois, regarde, je suis là, je regarde mon truc.
toute la partie là avec la structure, le rythme des poteaux, le baobab incorporé, le fait qu'il y ait un pan incliné et idem de l'autre côté, tu vois, ça me plaît. Après, c'est mon goût à moi, hein. Là, par contre, tu vois, ça me plaît pas. Là, mon truc qui est pas qui dépasse ne me plaît pas, clairement. Donc, lui, il va atterrir. Il n'en fait qu'un bout ici. Ça va être chiant. Ça va être chiant. C'est. Il faut. Et le morceau. Ouais, c'est ça. Bon là je l'ai pas pris dans le bon sens, mais ça c'est pas très grave. J'ai galéré un peu plus que si j'avais pas galéré. C'est à peu près ça. Tac. Et... Du coup là c'est pas en... Ouais c'est pas en... C'est pas en... En parallèle, pas en angle fixe. Là, je galère moins tout de suite, hein, je le mets dans ce sens-là. Après, clairement, t'as des. Au début, tu galères à trouver des solutions, puis à un moment donné, tu fais, ok, bon, ça, c'est. J'ai eu le problème un milliard de fois. Tu sais, les angles obtus, par exemple. Ah non, les angles aigus. Les angles aigus, j'ai eu le problème un milliard de fois depuis le début que je joue à Planet Zoo. Du coup, là maintenant, je sais que tu solutionnes un angle aigu avec les deux triangles et deux triangles isocèles, quoi. Mais est-ce que je peux mettre comme ça en fait? Attends. Tac, tac. Moins mon BT qui vient là. Yes. On finit avec un carré pour boucher le trou. Voilà. Parfait. Personne n'a rien vu. Ça dépasse pas. Voilà. Au top. Là, j'ai un trou. Voilà. Il disparaît du coup. Est-ce que je peux pas remplacer par le grand? Pendant qu'on est là. Ça fera moins d'ombre chelou. Tu vois là par exemple il y a un petit défaut. Il va falloir que je le pense, mais c'est pas la fin du monde. Après, j'admets régulièrement hein, qu'il y a des trucs où tu te dis bon bah tant pis, ça le fait pas comme exactement parce que bah des limites, enfin il y a limitation, c'est pas une limitation. Tu arrives pas quoi, tout simplement. Tu finis par dire bon bah allez vas-y on le cale comme ça le fait, ça fait le taf comme dirait l'autre. Là c'est bon d'ailleurs. Là, je trouverai une solution, tu vois. Peut-être que ma poutre en bois, elle va se reprendre en dessous. Si je veux que ce soit propre à la fin. Mais c'est, ouais, c'est super plaisant. Enfin, faut aimer la cré... faut être créatif, quoi. Mais, voilà, je peux, hop, hop. J'en mets un qui va être bien au bord et un qui va être encastré. Ça. Toi. Et bonne nuit Kalim. Bonne nuit à toi. On n'y voit que dalle. Et pourtant, il y a la lumière. Il y a le poteau.
y a un petit défaut, il faudrait que je trouve une solution. Mais la petite ligne de verdure au bas du mur, voilà, merci. Mais quoi, ou pas, hein? Ah! Petite ligne de verdure, je croyais que tu parlais de l'herbe. Herbe courte. Hop, ici. Voilà. Ah, est quasiment bon sur cette zone-là. Donc ça, c'est cool. Dans l'idéal, il faut que, évidemment... c'est sur lequel? C'est sur celui-là que je peux le faire? Est-ce que ça passe, ça? Parce que oui. Ah, peut-être pas. Non, ça peut être le même. Ça passe pas. Ça passe pas. D'ailleurs, pose-toi la vraie question. La vraie question, c'est que ça se finit comme ça. Mais finir comme ça, c'est un enfer absolu d'un point de vue géométrique. Quoique. Hop. Comme ça. Là, on est à 80. Ok. 90 là. Quasiment. Sauf que c'est trop grand. Alors, ce n'est pas grave. Hop. Voilà. C'est celui-là? Yes. Non. Je me suis toujours dit qu'un jour je prendrais des cours d'architecture, c'est un sujet passionnant, je trouve. Ben ouais, non, puis, enfin, même sans prendre des cours d'architecture, mais je pense que tu peux t'intéresser à l'architecture. Il y a des. On a la chance, les gens, de vivre dans une époque la connaissance est disponible facilement. Enfin, pas dire. Accessible facilement et il faut pas s'en priver vraiment. Il faut pas s'en priver hein, et il faut pas hésiter à regarder sur internet sur il y a après j'entends le besoin. Ah non, c'est trop long je crois, on va voir, on va vérifier. J'entends le besoin éventuel de ah, il faut que je prenne celui qui est droit. Celui-là, d'avoir un cours, mais ouais, ça c'est trop long. C'est trop long. Au moins, on a la position du truc. C'est là. Mais faut pas hésiter à aller piocher sur internet. Celui-là est trop grand. Parce que mon idée, c'est quand même que ça vient en appui, enfin, ça vient se poser. Je suis si bas là. Ah oui, si, parce que justement, je l'ai pas refait. Ça vient se poser sur. Ah, je vais garder le carré. Oula, 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 oula. Tu te poses là. Voilà. Et le deuxième, ça peut être ça pour le coup. Ça c'est bon. Il y a forcément un trou. Peu importe. Je sais pas si c'est une bonne idée ce que je fais quand je le coupe en morceaux comme ça, mais c'est pas. Alors c'est celui-là qui est trop grand. Franck Gehry, c'est pas mal. Bah après c'est une histoire de goût, tu vois. C'est vraiment une histoire de goût. Il y en a certains. Enfin, tout le monde a vraiment pas les mêmes goûts. En archi, l'archi c'est vraiment. Pour le coup, c'est vraiment. Tu peux pas juger, tu vois. C'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment. Il y a vraiment tous les styles. Moi j'avais vu comment il s'appelait. Oh merde.
Ando? Shadow Ando? Je sais plus, je sais plus, c'est tellement. J'arrive pas à le faire rentrer en une seule, ça me chie. C'est flûte? Ouais, c'est flûte. Et là, faut pas que je sois trop bas. Si je veux que ça se finisse là, faut que je le pose déjà. Regardez ce qui s'est passé avec Buren et l'architecture. Ouais. Bah après, en plus, il y a un problème de... L'architecture, c'est, ça a les mêmes travers, j'allais dire pierre, mais ça a les mêmes travers que l'art. T'as la cote, t'as la réputation, t'as toute une série de choses qui rendent les gens aigris, jaloux et même éventuellement surcotés, parce que surcotés. Et le grand public n'est pas censé pouvoir tout comprendre, mais des fois ne comprend pas du tout. Ces cas-là, il y a une vraie pro enfin, dans ces cas-là, il y a quand même une problématique. C'est-à-dire que ça veut dire que normalement, ouais, c'est Tadao Ando, yes. Normalement, on est censé éduquer les gens en fait à l'art. L'art contemporain, si tu parles de l'art contemporain aux gens, trois quarts du temps, l'art contemporain, c'est de la merde. Alors bon. Quand tu vois le fait que effectivement il y a des questions de mode, des questions de machin, des questions de trucs, bah tu comprends qu'ils comprennent pas. Vois? Tu comprends qu'ils comprennent pas. Alors tu leur expliques, tu dis ouais mais en fait c'est un concept. Tu vois, moi je me suis battu pendant combien de temps? Longtemps. Trop longtemps. Attends, j'ai fait une bêtise. Hop. J'essayais d'expliquer aux gens le travail de Klein, par exemple. Travail de Klein, qui est un peintre dont j'aime beaucoup le travail, voilà, tout simplement. Et ouais, mais c'est pour ça que je l'ai fait comme ça. Et t'essayes d'expliquer le travail de Klein aux gens, et les gens, ils vont pas comprendre l'idée d'avoir créé une couleur, par exemple. Vois? Mais c'est normal. C'est normal, les couleurs, elles se créent pas, elles existent. Oui, effectivement, évidemment. Mais et du coup ouais non, voilà pour finir ma phrase c'est de dire l'énorme problématique de l'art et de l'art contemporain et de l'architecture et de tout ça c'est que on devrait ouais, moi j'ai eu des cours de lycée, j'ai eu des cours de d'art peinture de machin tout ça et d'histoire de l'art et j'ai eu la chance d'avoir un prof absolument formidable qui a pris le temps de nous expliquer des choses pour qu'on les comprenne, pas juste pour qu'on les sache. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Et pendant ce temps-là, je suis en train de finir de poser des carrés. N'est-il point? Là? Non, bah non. Pa-da-pa-da-pa-d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 a-
Enfin ouais, donc du coup ouais, l'architecture, l'art, machin, tout ça, c'est passionnant, mais il faut s'y intéresser, faut essayer de comprendre. Pas que c'est forcément ça. Ouais, là moi j'ai beaucoup regardé, non, pas ça. J'ai beaucoup regardé le comment s'appelle? Le Land Art par exemple. Oh, je vais y arriver. Land Art parce que ça m'intéressait. Et en fait, enfin, je veux dire, il y a des fois, tu ne comprends juste pas le délire. Faut te taper. En fait, ce qui est ouf, voilà, ce qui est ouf et ce que les gens comprennent. Enfin, non, ce que la remarque qu'on fait en général à l'art moderne, c'est le fait qu'il faille se taper un manifeste de 20 pages pour comprendre pourquoi la toile elle est noire. Tu vois? C'est moche. Ça, c'est moche. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vrai que en soi, c'est chiant d'avoir à se taper un manifeste de 20 pages de l'artiste pour comprendre pourquoi son œuvre elle a un intérêt ou pourquoi ce qu'il a fait était précurseur. Je pense que je vais pas tatillonner plus que ça. Était précurseur de quelque chose. Et à tel point qu'il y a certains artistes qui sont devenus des Est-ce que pour comprendre ce que tu... Attends, l'architecture, la peinture ou l'art général, son langage s'école, il te faut la connaissance pour apprécier à sa juste valeur. La science est enrichissante, ouais. Il y a des choses qui parlent à tout notre monde, qui font la force de certaines... Ouais, non, c'est ça. Non, mais voilà, moi, c'est ça que je voulais, pour finir avec le truc, c'est que, pour finir avec cette histoire d'architecture, machin, tout ça, c'est que tu finis par avoir des gens, des artistes en l'occurrence, finis par avoir des artistes qui ont été assez malins pour faire une licence de lettres et écrire de jolis manifestes, et à partir de là, t'as toute une armada de gens pour les coter et les surcoter, tu vois? Et c'est ça qui fait, c'est ça qui est dommage, parce que ça fait pas forcément ça rend pas forcément service à l'art, tout simplement, et aux artistes. De surcroît. Le moi a tué l'art. Le mot a tué l'art. Pas le moi. Enfin, tu peux avoir un artiste avec un talent et une sur un comment s'appelle une même une pré même une prétention démesurée ou une tu sais il y a eu des artistes qui étaient des tu prends Salvatore Dali. Salvatore Dali, il est le fruit d'une époque, il comprend que il y a une phase, enfin il y a une l'image de l'artiste est aussi importante que l'œuvre, tu vois. Il se retrouve à être l'œuvre, enfin il se retrouve à être une des œuvres une de ses œuvres, pour faire simple. Et il n'y a pas de problème, en fait. Alors pourquoi je suis décalé là? Il y a un... Ah mais parce que j'en ai pris deux, un boulet. J'en ai pris deux et forcément ça ne passe pas. Il m'a fait une. Attendez, attendez, j'ai des gros doigts là, ça marche plus. Après, avec l'art en général, la première approche est émotionnelle. C'est après que j'intellectualise pour. Oui, mais du coup ça marche plus avec certaines, avec un art. Je peux les avoir en bleu mes trucs. Alors attends. Voilà, merci. Oh putain la vache. J'ai cru que j'avais perdu mon truc. C'est plus ce que je disais du coup. Tant pis. Tant pis. Bah voilà, si tu peux avoir un ego démesuré et travailler l'image à mort, et pourtant être un artiste de génie, tu vois. C'est pas l'ego de l'artiste qui tue l'œuvre, mon avis. Mais je pense que c'est les mots. Quand tu as besoin d'expliquer ton œuvre plus longtemps que le temps que tu vas passer à la regarder, c'est qu'il y a un problème quelque part. C'est un point de vue personnel, hein. Et je me souviens de trucs d'œuvres en land art qui étaient totalement incompréhensibles, qui était un qui te comment s'appelle, qui t'interpellait. Tu regardais le truc, tu fais. Okay, tu vois, tu voulais comprendre, mais c'était totalement,
totalement incompréhensible juste en regardant. Je pouvais pas comprendre. C'était Eh, on l'a fait notre angle impossible là. Ouh. Je suis content. Alors, ça, et ça. Bim! Qui dit mot dit aussi richesse du langage, donc besoin d'une certaine culture. Oui, ça n'empêche pas. J'ai pas le problème avec le mot. Je dis que l'œuvre devrait pas forcément avoir besoin du mot. C'est ça que je dis. T'as pas besoin d'aimer la Joconde. T'as pas besoin du récit de Léonard de Vinci pour apprécier la Joconde ou David. Tu vois? Par contre, sur l'œuvre de Soulages, par exemple, ou même Buren, si tu veux comprendre et apprécier, il y a probablement des chances que tu sois obligé de te taper l'anthologie de J'ai pensé à. C'est ça que je veux dire en fait. Bon, eh, on est bon? Elle est bonne celle-là. Nickel. Art conceptuel, on en a parlé. C'est ça. Ouais, nickel. Nickel. Parfait. Parfait. Ça, juste assez. C'est cool. Ah, je suis content. Je suis vraiment content du paquebot. C'est marrant, hein. Je suis plus. J'ai plus travaillé sur cette forme-là en réflexion. C'est celle-ci qui est là, qui me plaît le plus dans son rendu. Oui, non mais je suis d'accord. Ma seule problématique, c'est la nécessité de. Je dis juste que l'œuvre devrait pouvoir se passer des mots. C'est juste ça que je dis. Sont pas allumées du coup. Parce qu'elles ont pas de courant. Oh là là, cette blague. Ouais, le courant il va jusqu'où? Ok, c'est pour ça que j'en avais pas mis. Eh ben, vous savez quoi? Ce sera pas pour ce soir. Va poser notre voile à sa place. Tac. Et du coup, je vais aller rechercher, hop, le travail que j'avais fait là. Travail rapide. Et reprendre ça. 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 Celui-là aussi. Mais on en revient à la culture du fuyard gardant. Certes. Alors, toi, t'atterris ici. C'est toi qui va poser la base. Sera pas plus haut que ça. Ça, avec une jolie lumière, ça peut vraiment bien rendre. Parenthèse. Tac. Il est un peu trop jaune pour ici, lui. Ça a plus. Est-ce que toi tu marches mieux ici ou pas? Je suis pas sûr, il faut des petites plantes ici. On va essayer de trouver un truc pas trop gros. Tac. Toi ce sera pas mal ici. Je trouve un arbre qui me permette de faire. Il est trop.
l'ombre sur la voile, donne l'impression que c'est vraiment une voile. L'ombre. L'ombre derrière? L'ombre derrière là? Du coup, il faut que je trouve. Alors, soit je le trouve là. J'avais pris quoi? J'avais pris celui-là. Peut-être. Yep. Ouais, non, mais c'est ce que je t'ai dit, c'est que l'ombre. C'est pour ça que la voile pouvait pas être ailleurs. C'est qu'à un moment donné, cette ombre-là, elle était vraiment trop classe. Hop, si je pose ça là. Il fallait que je mette du terreau en dessous pour. Alors attends, ça, on sort. Tac, tac, tac. Hop. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Je pense que oui, mais... Ouais, après ça m'oblige à faire une bordure. Coller pile poil au truc. Ouais non, ça va être chiant. Ça va être chiant. Bon, je pose une base, mais je pense que je vais le retravailler ça. Je regardais vite fait si un arbre tempéré, tant qu'à faire. Arbre. Drop. Qui puisse faire. C'est trop petit. Je vais mettre play parce qu'on y voit quand même que dalle. Pour la fin de soirée, c'est pas mal. Ça peut être amusant, mais ça fait pas le... Ça fait pas le café longtemps. Ça, c'était quoi? C'était le petit. Les bons vieux orties. Ce qui permet de boucher tous les trous. T'es un peu gros toi. Ça le ferait pas. De toute façon, il y avait un truc avec un super petit feuillage qui était super mignon. Ah, ça peut être cool ça. Ça donne quoi? Cache trop la voile. C'est con parce que l'arbre en lui-même était cool. Ouais, toi tu vas aller là. Rigole pas, j'aime ces orties. Ah, mais il n'y a pas de mal. Notre... y a aucun problème. Tac. Hop. Là, ici. Nickel. Ah bah voilà qui fait nuit. Super. Le jaune est trop fluo là. Il me plaît pas. Par contre, ça va peut-être pas être tempéré. Du coup, on cherche un arbre qui aurait un petit feuillage. Ça, c'était quoi? Non. C'est les arbres que j'aurais le moins maîtrisé. Celui-là, c'est trop grand. C'est rigolo, ça. Aquatique? Pourquoi aquatique? Dans les arbres aquatiques? Il n'y a pas la version petit arbre. Ah ben voilà. Voilà. T'es tout mignon, toi. Tu es You Are My Tree. Hein? Très bien. Oui, ok, d'accord. J'avais pas l'intention de le mettre en favori, mais. Ouais, par contre, du coup, il prend plus beaucoup. Okay. Ça, c'est pas le truc qu'il me faut en fait. Il me faut. C'est quoi dans mes favoris? Ça, c'est les bons. Ah, j'avais mis ça, c'est bien ça. Je l'aime bien lui. Ah, il est bien lui. Hop. Ah, il est carrément cool. Bon, faut pas qu'il rentre dans la voile, mais à part ça. Là, hop. Je peux le remettre une deuxième fois de l'autre côté. Les palettes végétales du DLC aquatique. Les palettes. Faute végétale. Faute végétale. Pas compris. Lui est plus bon.
C'était quoi? C'était du boulot, ça? C'est ça? Ouais. Oh, il n'y avait pas un petit truc? Flûte. Ah, c'était ça, mais ça fait trop branche, quoi. Ouais, non, ça fait trop branche, ça rend pas bien. Une faute d'orthographe, lol. Je tape allongé sur mon canapé, c'est dur. Ah oui, ok. Donc c'est pas du boulot. T'es pas simple. Allez, inspire-toi. Inspire. Par là. Là. T'es trop grand. Fleur, je suis pas fan. Ah, j'aurais pu remettre. Ah, j'aurais pu remettre ça. Ah ouais, j'aurais pu mixer avec ça carrément, puisqu'on rentre dans une zone tropicale. Ah, c'est cool ça. Je les aime bien en plus ceux-là. Ils sont stylés. Ça fait presque plante. Non, parce que ça fait presque plante d'intérieur, je trouve. Tac. J'aurais pu en mettre une là, et puis on est bien. Je remets ça vers l'avant. Pied d'éléphant, j'aime beaucoup les pieds d'éléphant. On trouve un très joli style. Donc là, je pense qu'il va être très mal placé par rapport à mon archi. Ouais, c'est ça. Du coup, ça veut dire qu'éventuellement, il vient directement là. J'aime vraiment beaucoup ça. Comme quand tu veux, voilà. Ouais, ça bouffe trop le visuel. Voilà, merci. Ça mange trop ça là. Bref. Ça mange vraiment trop la mon archi ah flûte mon architecture. Bonne nuit, Slade. De toute façon, on va pas tarder à s'arrêter. Mais ah, je suis content. Je suis content. Il y a encore un milliard de trucs à faire, mais je ne serai pas sur Planet Zoo la semaine prochaine. On sera sur Endzone. Jeu de gestion post-apo, tout ça. Bon, et vous en pensez quoi? On a bien travaillé ou pas? À votre avis, le DLC, est-ce qu'on a fait honneur au DLC aquatique? Je pense que oui. Regardez, ça c'est chouette. Le baobab mis en valeur là. C'est pour ça que je voulais la même chose sur mes voiles en fait. Si je mets pour faire. Tac. À peu près ça. Plutôt réussi. Ouais, je pense qu'on est plutôt pas mal, hein. Enfin, pouvoir avoir des jeux de lumière sur les voiles. C'était quand même mon idée. Bref. Ah, moi, je trouve qu'on a fait plutôt honneur. Trouve qu'on a fait plutôt honneur au DLC aquatique là. Les petits mâts en bois, je pense que ça choque pas en fait. Je pense que c'est raccord avec un esprit. Donc ça me paraît pas mal. Et en plus, regardez ça. Bon, alors il restera encore des tonnes de choses à faire, mais. Parce que c'est bien réussi, merci, merci. Pour la peine, un pouce bleu. C'est fort aimable. C'est fort aimable. Non, je pense qu'on est 19,97 sur 20, merci Okunda. Non, je pense qu'on est vraiment pas mal. On est vraiment pas mal. Là, la petite marina en bas, là, je pense que c'était le petit truc qui allait bien avec le pont. Et a priori, les visiteurs apprécient puisque il y a aussi du monde. Il y a aussi du monde ici. Bon. Je reviendrai sur Planet Zoo dès le prochain DLC. Donc dès qu'il y a un DLC qui tombe.
je reviendrai sur Planète Zoo pour profiter et continuer à agrandir ce zoo avec vous. Là, vous voyez, il me reste encore plein de trucs à faire. Mais ouais, on s'arrête là sur la série Planète Zoo jusqu'à la prochaine fois. Rappelez-vous que je stream tous les soirs de 21h15 jusqu'à 23h30, sauf le lundi. Prochain stream, donc demain, c'est No Man's Sky, demain soir. Puis voilà, samedi prochain, Endzone. Venez passer voir si ça vous plaît. Peut-être ça vous plairait pas. On sera sur probablement une. On sera sur 8 épisodes, j'imagine. Entre 4 et 8 épisodes, je suppose. Un truc comme ça. Et puis voilà, dans la description du stream, tout ça. Tout ce qui va bien, comme d'habitude. Regardez-le. Regardez-le comme il est heureux, là. De gambader sur la rampe. Eh. Regardez. C'est l'émotion du manchot, ça. Revoir le zoo. Ah, on le reverra. Regardez. Regardez comme il est fier. Il sait qu'il a un bel habitat pour lui tout seul. Allez hop. Lui tout seul, presque, quoi. Merci beaucoup, les gens. Dans la description du stream, évidemment, tous les liens utiles, comme d'habitude, le Discord de la communauté francophone de No Man's Sky et tout le reste. Ce fut un plaisir de partager le DLC aquatique avec vous. J'espère qu'on pourra partager le prochain DLC de la même façon. Allez, les oiseaux, la prochaine fois, ce serait cool que je puisse me prendre la tête sur des grosses volières en dôme, hein, arrondies dans tous les sens et tout, ce serait cool, non? Vous en pensez quoi? Bref, allez, très bonne fin de soirée à vous, merci pour tout, très bonne nuit, et je vous dis à demain sur No Man's Sky, sinon, bah, à la prochaine. Ciao.